Monsieur, vous pouvez descendre, s'il vous plaît? Monsieur, s'il vous plaît, merci. Oui, merci, vieux noir. Non. Merde. Bon, écoute-moi bien, tu vas descendre, s'il te plaît, du véhicule. Merde, mais c'est quoi ce stalker? Je suis sûr que c'est la troupe à Chewbacca encore. Allez là! La ceinture. Merci beaucoup, depuis tout à l'heure, il y a des... Merci à tous ceux qui seraient à bout, hein. Désolé, hein. Il y a du délai, merci à tous ceux qui le font, ceux qui m'aident, qui m'ont aidé dernièrement pour l'opération, l'OPSP. N'oubliez pas les gars, vendredi soir, le giveaway de l'écran 240Hz, vendredi, il y aura le giveaway. Donc même DMG, hein, qui est abonné, il pourra participer, hein. On en verra peut-être s'il gagne son écran directement chez lui. 240 Hz les mecs, 240 Hz. Je fais même pas 77 FPS, ça sert à quoi? Ah oui d'accord. Sur tous les jeux, j'avoue, il est à 40 FPS. Tu revendras le. C'est pas grave, tu le revends pour acheter un PC, ouais. C'est bon, ce que j'ai à la tête. Vu le prêt à l'écran. Hein. Non, voilà, mais c'est bien, on est en live petit comité. Bon, après, c'est sûr que voilà, mais bon. Allez, on y va. Tu peux grouper une personne. Une personne à la fois. Un petit DM, les gars, dans le chat. Hein. Je vois qu'il y a beaucoup de gens. D'avoir un petit DM en solo. On fait un petit solo queue. Un petit solo queue pour un DM. Petit solo. On travaille le RP d'abord. Si le mec, comme d'habitude, les gars, vous savez que nous, on a notre propre site d'RP. Mais si. Je vois qu'il y a Chupa qui vient d'arriver dans le chat. Bah, si on voit qu'il ne répond pas présent et qu'il n'y a pas trop de répondants, les gars, qu'est-ce qui va se passer? À vous de me le dire. Je les vois défiler dans le chat, les gars. Non, c'est non, le code B. Chupa ne vient pas d'arriver, il est là depuis longtemps. Qu'est-ce que tu dis, RR? Ah oui, c'est exact, ouais. Il y a plus longtemps, ouais. Bizarre, toi. Hein. Bonjour, monsieur. Bonjour. Attendez, je vais sortir de ce véhicule. Oula, il fait une chaleur. Bonjour, messieurs. Nous cherchons deux jeunes travailleurs au black pour réparer notre carrosserie. Vous êtes dans la mécano, je suppose, non? Non, pas du tout. Le Mexicain à ma gauche, lui, là. Vous avez vos papiers au moins? Ouais, j'ai mes papiers. Allez, sortez-moi vos papiers s'il vous plaît, inspecteur du FBI, je suis là. Depuis quelques jours, je vous file. Ouais, vous êtes rentré dans ce territoire illégalement, monsieur. Montrez-moi vos papiers. Ouais, j'ai du mal à vous croire, hein. Montrez-moi... Je crois que le véhicule est volé, collègue, je vérifie ça. D'accord. Allez, vérifiez. Je me présente, inspecteur Charles de Mbappé, on va vérifier ça. Véhicule endommagé en plus. Ça va aller chercher loin ça. Ok, c'est bon, le véhicule est pas volé mais il est en mauvais état. Ouais bah... Y'a quelqu'un qui m'a... Qui a bon, on va oublier tout ça. Vous allez travailler pour nous au Black. En tant qu'immigrés comme ça, des personnes qui n'ont pas des papiers comme vous, qui sont en forme, des jeunes comme vous. Ouais. Vous pouvez travailler pour moi, non? Mais... Précisez. Regarde-toi avec une gueule pareille. Je te mettrai bien derrière un bon petit... comment dire, stand de tacos. Je te présente bien. Tu fais un petit peu mexicano, que là t'es la balade de la colonne, c'est un peu. Godelmeth, il parle un peu espagnol pour voir. Pas mal. Bon, lui tu l'embarques, il va jouer avec nous. D'accord. Non. Donc j'embarque cette personne là en lunettes là. La personne qui ne parle pas depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que c'est son sous-fifre. Écoute-moi bien, fils de chien. Ouais, c'est mon sous-fifre. Collègue, j'emprunte son véhicule pour le mettre à la fourrière. D'accord, très bien, mettez ça en place, de toute façon ils vont travailler pour nous. Mais vous faites quoi là les... Je ne veux pas le savoir, n'appelez surtout pas la police. Je suis la loi. Ok. D'accord, restez en stand-by. Et je parlais à votre collègue. Monsieur. C'est bon, véhicule emmené en fourrière, il sait pas qu'on est véhicule de là-bas. Véhicule en fourrière. Monsieur. Quand vous allez savoir qu'on est de là-bas, monsieur. Vous êtes en flagrant délit de refus d'RP, monsieur. Mettez-vous sur le bas-côté. D'accord. Mettez-vous contre le mur, s'il vous plaît. Mettez-vous sur le bas-côté, s'il vous plaît. Attendez, je lui mets le menottes, collègue. Oui, c'est bon, il va se mettre sur le côté, oui. Monsieur, vous savez que dans cette ville, il faut absolument avoir une bouche pour parler. Ouais, c'est bon, je réglais juste les... Ah, d'accord, très bien. Bon, c'est bon, apparemment, il parle. Ok, je lui mets la monote. La personne, oui, le Mexicain, oui, on va libérer le Blanc. Le Blanc, je lui, on peut le laisser. Vous avez bougé pas, monsieur. Moi, je suis Mexicain, hein. Oui, justement. N'avez pas vos papiers. Je lui ai mis la monote et je lui mets cette personne aussi. Non, c'est bon, il est Blanc. Ok. Il est con s'il savait qu'on était de la BAC. Et laissez mon pote quand même.
Il a rien fait. Non, monsieur, je sais qu'il n'a rien fait, mais pour l'instant, je on a quelques, questions à lui poser. Non, il va rester là. Vous pouvez sortir de contre le mur, s'il vous plaît. Venez avec moi. Je le mets à côté de son ami, comme ça, ils seront collés. D'accord, très bien. C'est ça, moi, ça. Bon, on va vous laisser une chance. Apparemment, vous êtes collègues, vous aimez bien. Pas tant que ça. Hein. D'accord, on va vous laisser une chance. Le Mexicain, suce ton pote, tout de suite. Quoi? Oui, tu as très bien entendu. Une léchouille de gland. Je lui enlève les manottes ou pas, du coup, chef? Oui. J'aimerais qu'il fasse ça sans les mains. Sans les mains, ce sont les meilleures sensations. Allez, une léchouille, allez-y. Accroupissez-vous. J'ai pas spécialement envie, hein. Vous n'avez pas envie, vous, le blanc? Eh ben, c'est moi qui vais me faire sucer, du coup. Bon. Allez, une léchouille. Mettez-vous accroupi. C'est complètement taré. Je ne veux pas le savoir. Accroupi, vous on êtes vous a qui, en fait, pour... Nous sommes des agents du FBI. Ah ouais, c'est beau, la police. Hein. Vous avez un problème? On va peut-être faire un tour en cellule? Non, ça va aller. Voilà, moi, donc on va se calmer. Je veux bien y aller, moi. Vous êtes sûr? Ouais, ouais. J'aimerais connaître votre... Fou. Non, fais pas le fou. Vos orientations sexuelles, vous êtes gay? Pas trop, non. Et votre collègue? Peut-être. Non, pas du tout. Ah, d'ailleurs, le monsieur à la droite, là, vous aimez changer ses chaussures. C'est inadmissible de porter ça. Exactement. Et ce t-shirt a des trous, monsieur. Bah, on était en voie pour aller le faire, donc... Salut les gars dans le chat, je vois des messages. Merci bon. Les gars, merci beaucoup. Vous, ça vous plaît ce qu'on fait ça galère, hein. Mettez-vous accroupi, on vous a dit. Non. Accroupi. Accroupi, on peut vous épargner de la suce. On peut vous épargner de la suce. Je pense que c'est pour vous, chef. Il s'est mis accroupi. Voilà, c'est bon. On va pas vous demander. 3, 2, 1. 1, bruit de bouche, allez-y. Allez-y. Encore. Je peux pas. Si. Merci Leblanc, il est en train de le faire. Il le fait d'ailleurs très très bien. Allez à toi le Mexicain. Ah. Bon, moi ça me suffit, je me suis déjà vidax. Ah jeez. Oh là 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 là. Oh, c'était un 8 sur 10 sur le long. Celui-là c'était un 8 sur 10, effectivement. Bon, merci à vous messieurs, merci d'avoir collaboré. Merci à vous. C'est un plaisir. Maintenant récompense. Collègue, donne-leur de l'argent. Ah, c'est sympa. Du coup, pour avoir une voiture, s'il vous plaît. Non, j'ai peur de me faire bannir, Ré. Je vais me faire bannir. Une voiture, tu vois. On pourra recommencer parce que. Ah, oui, une voiture. Oui, ouais, une voiture. Bah, c'est prenez, prenez notre voiture si vous voulez. On vous la laisse. Ah, merci. Ça valait bien une bonne pipe. Allez, bonne journée. Bien aimable. Bonne journée. Bonne journée. Bon courage à vous. Ré, si je te donne de l'argent, j'ai peur de me faire bannir pendant que je suis. Ah, ouais, non, mais non, vas-y, fais pas. Je leur donne ma voiture, au pire, on s'en fout. Bah, ça, c'est du beau RP ce qu'on a fait là. Par contre, je t'avoue que. Quoi? Ouais, moi, si c'est la Mac, elle a aucun honneur, hein. Putain, on arrête, voilà. On l'a fait une fois, maintenant on arrête, on sait que c'est à quoi ça ressemble. Par contre, t'as vu, c'est bien qu'avec mes lunettes, je puisse me faire passer pour un mec de la BAC, en mettant les menottes et tout. Ah, pas con ça, ouais, ça rajoute de la crédibilité. Bah, c'est ce qu'on vient de faire, là. Le mec, je les drague. Et nous nargue en plus, en klaxonnant. Non, tranquille, on s'en fout, vas-y, ils ont joué, cool. Ouais, je l'ai. Eux, ils ont joué le RP à fond, ouais, vas-y. Oh, on le laisse. Je vais me faire spawn un véhicule, hein. Je vais me faire cramer bêtement. N'oublie pas K. La ceinture. Ouais. On va pas aller avec ce véhicule. Tu veux faire un mec tout seul ou en groupé? T'en as encore un tout seul pour qu'on bute. Ouais, j'en ai plein tout seul. Vas-y. Un petit point. Ah, pour tout à l'heure, les mecs. J'étais pris, hein. Comme je vous l'ai dit, en ce moment je fais pas mal popo. Ah, j'ai c'est des pas alertes. Ça, par contre. Ah. Ouais, je jure que c'est. Ouais, c'est Stalker encore. Chewbacca. Que veux-tu, hein? Dès qu'ils ont l'info serve, bah, ils y vont. Hein. Voilà. Ouais, donc j'étais aux toilettes, les mecs, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de musique pendant un certain temps. J'avais oublié de laisser ça, hein. Laisser ma playlist on. D'ailleurs, vous avez point d'exclamation playlist dans le chat. Si vous voulez avoir les sons que je passe régulièrement et mes goûts musicaux. Voilà, voilà. Alors, Excuse-moi, je regardais sur la minimap. En tout cas, allez, n'hésitez pas à laisser un petit message dans le chat. Là, je vois qu'il y a du monde. Il y a Seb666. Il y a Ilius, salut à toi. Salut à Bandidas, Nerufo, Spencer144, Riem.
façon, depuis que t'as pété la dalle de ton double écran, c'est plus difficile pour regarder le chat maintenant pourtant. Ouais, ouais, bah... De toute façon, je l'avais relevé, hein, qu'il y avait quelques problèmes. D'ailleurs, Yumikon vient parce que j'ai vraiment des gros soucis de délai, là, sur Twitch avec les alertes, mais bon, c'est pas grave. Merci à tous, hein, les mecs, hein. Merci. Merci en tout cas de tous vous réabonner, faire les dons, etc. Je vous remercie en fin de live, si vous voulez. Salut Spencer, salut à Fantasme également qui est là, qui m'a fait plaisir pendant l'OP. Sigmund Arkuzas qui envoie un petit aloha. Je vois des steaks, je vois des petits aloha depuis tout à l'heure. Merci à Backcountry Jonathan, à Lovic. Merci les gars, merci à Froster TV. Voilà, je vois que... N'hésitez pas à demander des petits théos, les gars. Des petits théos de 20 minutes. La rage. Ah oui, merde. Dans ces moments-là, je commence à voir. Ah, y'a un mec dans le magasin, Ré, juste dans le magasin. Ok. Allez, on y va. Tiens, tiens, tiens. Bonjour, jeune mongol. Bonjour, monsieur. On a dit bonjour. Monsieur, vous savez que dans cette ville, il est important de savoir bien user de sa langue. Si vous voyez ce que je veux dire. Si vous ne le faites pas rapidement, en émettant un son, vous allez utiliser votre langue d'une toute autre manière. Vous entendez bien, mon collègue. Ouais, en plus, on voit que cette personne se change, donc elle nous entend très bien. Comme je viens de faire popo, cette fois-ci, on va s'occuper du derrière. J'aimerais bien qu'il me lèche. C'est compris. Oui, il va me lécher le boulzer. Je viens de faire popo et j'ai pas lavé avec de l'eau. Monsieur, venez ici. Oui, monsieur, s'il vous plaît, on vous parle depuis tout à l'heure. Je suis inspecteur du FBI. Ouais. Je suis inspecteur Lewis. Et voici mon acolyte, Richard Bellit. MacArthur. Oui, okay. MacArthur Bellit. Comment t'en bats, oula, il a une voix un peu à la Killac. Je crois que t'as un what's up, this. Qu'est-ce que c'est que cette voix de chiotte? Allez, dis-moi. Oui, vous m'entendez? Je vous entends très bien. Parlez, haussez le ton un petit peu. Pour qu'on puisse voir ce que vous avez dans le ventre. Mais vous voulez quoi? Vous voulez me casser? Non, monsieur, je suis inspecteur du FBI. Vous voulez-t-il, monsieur? Nous quelques vérifications. Nous sommes civils. Nous avons un accoutrement de civil. Montre-moi ton badge. Je peux vous menoter si vous voulez, monsieur, on voulait voir. Allez, montre-lui les menottes tout de suite, allez. Bah, venez ici, monsieur. Vas-y, vas-y. Maintenant, tu peux menoter. Ok, bon, lui, il fait le con. Non! On vous a demandé de rester ici, nous sommes des inspecteurs du FBI. Bougez plus. Bougez plus maintenant. Vous êtes même pas de la FBI, arrêtez de me casser les couilles. On va le mettre sur le bas-côté. On va vous mettre sur le bas-côté, monsieur. Arrêtez, bon, monsieur, on commence à discuter nos ordres. On fait partie de la BAC, mais on appelle ça la FBI, juste pour que ça soit stylé comme nom. Vous n'allez pas nous casser les couilles pour ça, c'est compris? On va le mettre dans le magasin, il n'y a personne, la vendeuse, c'est parti. Entre-temps. La BAC, la FBI, la DOA, c'est la même chose. Donc laissez-nous tranquilles, on fait notre job, si. Non. Je ne veux pas le savoir, discute pas les ordres. Je discute, j'en ai rien à foutre. C'est pas parce que tu cries que t'es le boss, frérot. Hein. Je suis le boss! Mais lave pas maintenant! Chien de la casse que tu es! Je viens de faire popo. Tout à l'heure, je t'ai demandé d'utiliser ta langue. Tu ne l'as pas fait. Maintenant, tu vas devoir le faire maintenant tout de suite. Je vais me mettre comme ça en reverse. Tu vas te baisser. Tu vas me mettre juste une petite léchouille dans mon anus pour me laver mon caca. Baisse Allez, ta mère. C'est un ordre. Baisse ta mère, t'as compris? Tu baisses ta grosse mère, la reine des putes. Fais-le tout de suite, ne discute pas mes ordres. Quoi? Baisse ta grosse mère. Attends, qu'est-ce qu'il a dit? Salope. J'ai mal compris. Je crois qu'il insulte la mère du patron de la BAC quand même. C'est une membre de ma famille, je crois en plus. C'est ma mère dont il parle. Ouais, je parle de ta mère, la grosse pute qui est sur le trottoir là-bas, sale chien. Il en est. Il est malade, lui. Monsieur, vous êtes complètement malade. On a bien fait de le neutraliser et de lui mettre les menottes. Monsieur. C'est très violent ce que vous dites. Vous êtes tenu des propos injurieux envers ma mère. Veuillez vous excuser tout de suite.
Baisse ta grosse mère. Bon, je te demande de simplement pour coopérer et de collaborer avec nous, de me faire une léchouille de mon anu et après on te libère. Baisse ta grosse mère, la reine des salopes, t'as compris? Est-ce que cette voix est étonnante? Baisse ta grosse mère, la grosse salope. C'est un peu, je pense que c'est l'aspirant de Killock. Ouais, il va devoir payer pour ça. Bon, déjà dans un premier temps, tu vas t'excuser pour ces propos injurieux. Allez, tout de suite, bon toutou. Non, je vais pas m'excuser, t'as rien, j'ai rien. Vous savez que vous pouvez absolument rien faire dans cette ville. Je suis en étroite relation avec le gouvernement et Pôle emploi. On n'a rien à foutre, t'as comprends? T'as comprends? Est-ce que tu comprends que j'en ai rien à branler? Vous êtes de quelle origine, monsieur? Je cherche pas à savoir. Je reconnais cet accent, c'est un accent de manouche. Bon, on va vérifier sa carte de séjour et ses papiers. À mon avis, c'est certainement un immigré ou un clandestin. Monsieur, je le fouille. À procéder à une vérification de vos papiers. Oula, il a pas les papiers, hein? Il a même pas de prénom. Elle était pour toi, Métoxylarage, là, qu'on a fait tout à l'heure, merci, hein. On fait comment, chef? Vous n'avez pas vos papiers, vous n'êtes absolument pas déclaré dans cette ville, non? Oui, bon. J'ai mes papiers. On va devoir sévir, monsieur. Vous pouvez y aller, hein. Je pense qu'une... Si on ferait pas un petit ravinet avec lui? Oui, pourquoi pas, au-dessus d'une grue, ça serait bien. C'est mieux de faire les ravinettes, comme ça, il n'y a aucune log, comme quoi c'est nous qui l'avons tué. T'es sûr, dans la grue? Ouais, on fait ça en fait. Parce que, ouais, non, dans la grue. Comme ça, en fait, si c'est lui qui meurt, dans la log, il écrit bah, qu'il est mort de chute. Et que c'est pas nous qui l'avons tué avec des armes. D'accord, on fait ça, vas-y. Vas-y, je vous y emmène. Bon, on vous emmène, monsieur. Comme ça, vous aurez le temps de. Hein? De réfléchir à vos propos et vous excuser. Vous allez réfléchir en prison, ça va vous faire du bien. Tu contactes le commandant Oui, je vais commander, exactement, je vais appeler le commissaire. Bon, c'est vrai. Et quoi ton nom déjà, Eric, t'avais dit? Un clandestin. Au pire, tu m'appelles Charles de Mbappé. Baisse ta grosse mère, la reine des culs, tu comprends? Ouais, mais attendez, je note ça sur mon Pokédex, je rajoute. Alors, vous l'avez dit combien de fois déjà, monsieur? J'ai dit 10 fois ta grosse mère, la. Ça va aller chercher loin, ça, niveau amende. Maintenant, c'est 11 gros schlags. Alors, on a une masterclass, on a un... Bon, vous allez prendre également une amende pour excès de voix de merde. Allez, j'enlève ma ceinture. On y va. Vous allez nous suivre, monsieur? Monsieur, juste une chose, vous n'avez pas le vertige. Déco, attends, non? Ah non, il a pas déco. C'est moi qui... Ah, vas-y, monte, monte, frère. On va vous poser certaines questions et on va vous dire... Aïe, aïe, il m'a frappé. Aïe, aïe, ah, mais il me frappe. Je fais quoi? Aïe! Voilà, au moins ça fait tout fait comme ça il déco pas. Ouais, comme ça il déco pas, comme ça il déco pas. Mais non, monsieur, reste proche de lui, il va juste te taper, tu vas mourir. Merci à tous les subs, il y a eu Guaca tout à l'heure, Guacamole, qui m'a demandé de tenir le regard, il y a eu Krems Pro. Ouais, désolé, on a quelques soucis avec Twitch malheureusement. Mais vous en faites pas, merci à Metoxy, Krems Pro. Krems Pro les gars, mais franchement, bon, je ferai un tir groupé en fin de live, les mecs. Je suis désolé, hein, encore une fois, on est. Alors, on est pris par le live. Salut, T'es où? Attends, on monte encore là-haut. Ok, attends, je vais regarder ça. Qu'est-ce qu'il raconte? Parle pas. Bon, monsieur, vous avez encore une chance. Me pousse pas. Ok. Monsieur, je vais vous poser encore une dernière question. Voulez-vous bien vous excuser auprès de ma maman? Baisse ta grosse mère, la reine des putes, je la baisse. Bon bah, bonne chute, monsieur. Monsieur, je pense que la sentence a été donnée. Vous pouvez y aller. Bonne chance. Ah, une dernière clope avant de... D'accord, très bien. Vous avez le droit à une dernière volonté. Non, je déconne. Allez. Baisse ta mère, la pute, fils de pute. Ok, bon. Expéditif. Bon, vous savez, attends, j'apprécie vos méthodes, monsieur. Ah bah, merci. Aucune trace. C'est pour ça qu'on appelle souvent ma service. Très bien, allons-y. Par contre, Riri, je te connais. Fais attention, hein, descendant. Ah oui, merde. Attends, je vais le faire en premier, pour soin. Je vais te dire comment faire. Je vais te coller à l'échelle et ça descend tout seul.
Va pas trop vite, va pas trop vite. Ok, ok. Ouais, c'est bon. Non, non, mais non. Qu'est-ce que t'as fait? Mais qu'est-ce que t'as fait? Dis rien, dis rien. Revive, 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 revive. Mon collègue, non. C'est bon, je me suis revive, Théo. Trop bien. Oui, bah oui, non mais... On a rien vu, d'accord, Ré? Ouais. Ouais, je sais qu'il y a déjà les stalkers qui sont en route, qui vont nous faire chier, mais bon, les mecs. Est-ce que le contenu vous plaît, là, pour l'instant? C'est un 8 sur 10 ou un 10 sur 10? Toi, alors? On insulte la mère de qui, maintenant? Et ça enchaîne, les gars! Derek Lochbeb, il y a eu des gros dons, il y a FanRius, voilà, qui m'a... Il m'avait embrouillé la dernière fois, mais c'est du passé, maintenant, les gars, il m'envoie des dons. Merci beaucoup, les gars, pour les gros dons. C'est énorme, ce que vous faites, les gars, merci. Je lance des lives à 3-4 heures du mat. T'auras toujours des gens voilà, pour m'aider. Merci beaucoup les mecs. Et me faire plaisir. C'est gentil. Merci pour le petit billet. Gros billet, je dirais même. Gros don. Merci FanRius. Guy Mixam, Sarisubapagai les gars. Et Mixam aussi, 49. Qui passe très rarement sur le live. Bon, on voit que les sommes maintenant parce qu'on a un souci avec... avec Twitch. Hein ? Envoyez le mail à Streamlabs à propos des... Ouais, on a envoyé, vous en faites pas les gars, on a déjà tweeté les mecs pour qu'ils corrigent ça. Donc on a un petit délai, je tiens à le rappeler. Hein. Pour les tout ce qui est sub, resub. Mais sinon vous en faites pas, l'interaction est là, hein. Je suis avec vous, je vois le chat. Ouais, salut Nabo, salut ZH, salut à vous les potes, merci. Check Krakai, hein. Et on a enlevé le son des ZH, donc si des fois je vous rate, c'est normal. C'est pour la vidéo YouTube, on privilégie le contenu. Hein. La voiture bleue, dès qu'on colle à lui, dis-lui de s'arrêter sur Mac. Ok. Monsieur, s'il vous plaît, monsieur, mettez-vous bon sur le bas-côté. Monsieur, monsieur. Oui. Je me présente, je suis inspecteur du FBI. Sur le bas-côté, s'il vous plaît. Mettez-vous sur le bas-côté pour que je puisse sortir de mon véhicule, merci. Et le véhicule, il est pas en forme, là, d'ailleurs. C'était un véhicule banalisé, c'est normal, nous procédons à des vérifications. Ah, ça, il joue. Lui, là, de jouer RP, lui. Bonjour, monsieur. Oula, je crois, je crois que nous avons affaire à un clandestin chinois. Vous pouvez Jack descendre au cas où que vous partez, on a peur que vous partiez en délai de fuite. S'il vous plaît. Ah, je vais sortir, je vais sortir. On attend ça, merci. Mettez-vous contre le mur, s'il vous plaît, suivez-nous un instant. Vous en faites pas, vous n'avez rien fait de mal. Ah, je peux mettre le véhicule à la fourrière ou pas? Il est pas en norme, Charles. Ah, c'est vrai, attendez, le contrôle alors, technique n'est si absolument pas du tout, absolument pas respecté, monsieur. Venez avec nous, on va procéder à une vérification, regardez-moi. Si vous voulez, je peux vous faire une explication de véhicule, en fait. D'accord, très bien. Et comment ça se fait que vous avez une voix de... Comme si vous étiez intégré dans cette ville. Je le mets à la fourrière, Charles, je le mets à la fourrière. Comme si alors que vous avez une gueule de jaune, c'est étonnant, ça. Ah, vous êtes peut-être originaire de... De Wuhan. Je suis né ici, hein, monsieur. Ah, vous êtes né ici, mais vous avez des parents. D'accord. Très bien, bah, vous parlez certainement le mandarin. Non. Vous avez compris ce que je vous ai dit, non? Pas du tout, en fait. Comment expliquer, en fait? Avez-vous des bases en mandarin? En fait, mes parents sont mandarins, oui. Mais moi, en fait, on m'a appris tout, toute cette ville, en fait. La langue, dans le tout, j'ai remarqué tout. Bon, c'est bon, c'est un jaune, c'est confirmé. Il a ça dans les gènes. Il y a certainement des baguettes accrochées à ses chromosomes. Bon, mettez-le contre le mur. Nous allons procéder à une vérification de ses papiers. À mon avis, il y a quelque chose de louche derrière cette histoire. Alors. Venez ici. Je peux me mettre dans le mur, mais si, comme je vous non, dis, non, c'est vous bon. Vous regardez-moi, tenez le regard, s'il vous plaît. Mais donc, vous voulez que je vous explique l'histoire de la voiture, en fait, tout simplement, ou qu'est-ce qui se passe? Oui, expliquez-nous d'abord l'histoire de la voiture. En fait, je suis allé au concessionnaire, tout simplement. Et, croyez-moi ou non, mais il y avait une âme charitable qui m'a offert la voiture. Et après, ils m'ont donné quelques indications pour que je la mette à mon nom, avec ma monsieur, plaque, donc comme etc., ça, vous acceptez des véhicules qui pourraient être éventuellement volés? Bah, c'est dans un concessionnaire. Je me demande si... Je me dis qu'un concessionnaire ne vend pas des... Trop bon, on trop pas con. Vendu. On me l'a donné. Inspecteur, s'il vous plaît, mettez-lui les manottes. Mais... J'ai les manottes.
Bougez plus, s'il vous plaît. Je vous ai dit de ne plus bouger, s'il vous plaît. Vous allez rester souple, c'est compris? Restez souple, il vous a dit. Souple au niveau des articulations, sinon ça va vous faire mal. Je vais mettre la main à notre collègue, je vous laisse avec lui. Très bien, comme vous le voyez, nous sommes de vrais agents. Hein, oh, vous n'en doutez pas. Je ne doutais pas. Hein. Très bien. Bon, pour vous faire pardonner, vu que nous avons mis votre véhicule en fourrière, on va régler ça. Nous avons récupéré également les papiers du véhicule. Le véhicule était volé, collègue. Ah, bien ce que je pensais. Bon. Mais ça veut dire que, alors si je comprends bien, le concessionnaire peut travailler... D'accord, ok. Donc il a des véhicules volés. Parce qu'en fait, ouh, moi, on me l'a juste donné, monsieur. Hein. Moi, j'ai rien à voir avec cette histoire. On m'a dit, ah, cette personne qui est très riche, donne des voitures aux personnes qui viennent d'arriver sur l'île. Et moi, j'ai accepté parce que la voiture était belle. Je me suis dit, vos explications sont quelque peu ambiguës. Bon. Bah, je vois pas qu'est-ce qu'il y a d'ambigu. De toute façon, qu'on m'a offert. Je sais très bien. De toute façon, nous avons récupéré ce véhicule. Il appartient à l'État. À l'État. Je comprends, monsieur. À l'État. Est-ce que je peux juste dire quelque chose? Oui, plaît-il. En fait, moi, je travaille, en fait, tout simplement. Et ça, c'était le seul véhicule que j'avais pour aller au travail, en fait. Est-ce donc que j'aurais droit à... Vous récupérez un véhicule qui ne vous appartient pas, vous ne l'avez absolument pas payé, donc vous utilisez ce véhicule que vous venez de recevoir et vous travaillez avec. Ça ne tient pas, c'est pas cohérent. Non, vous je travaille pas avec ce véhicule. Et véhicule volé qui était là en plus. Au travail. Juste pour me déplacer au travail. D'accord, très bien. Donc ça allait servir pour vous déplacer au travail. Oui, pour aller parce travailler. Que juste avant, vous preniez les transports en commun, je suppose. Bah, avant, j'avais un petit vélo, mais on me l'a volé aussi. Un vélo de sale pauvre. Excusez-moi, désolé. Je vous prie de ne pas insulter ce vélo, parce que c'est mon père qui me l'a donné. Et il l'a créé de ses mains, en plus. Votre reste père un est vélo mort. Pauvre. Votre père est mort aujourd'hui, il n'a pas d'argent. Mais monsieur, vous êtes méchant. Oui, ça c'est pas de dire. On est réputé dans cette ville comme étant deux inspecteurs du FBI. Pas du tout véreux, mais en tout cas très consciencieux. Si vous voyez ce que je veux dire. Mais vous êtes quand même méchant. Méchant? Vous allez regretter ce que vous voulez dire. Non, je parle de vos propos sont touchants, ça fait mal. Ah d'accord, enfants, très bien, très bien, très bien. Bon, j'entends. Vous parlez quand même de mon père qui est mort. Inspecteur Bellit, je pense que cette personne, on devrait la libérer. Ah ouais, on la laisse tranquille. Oui. Bon, prends vos porte-papiers, monsieur. Le véhicule est dépendant. Ah, ça, on va lui proposer, devoir lui faire pour le véhicule qui a été volé, un châtiment corporel. Comment ça? J'ai pas très bien entendu, je pense. Je veux vous mettre quelques petites claques aux fesses. Vous êtes prêts? Attendez qu'il enlève son pantalon, chef. Enlevez votre pantalon, s'il vous plaît. Enlevez votre pantalon, s'il vous plaît. Je vais vous claquer les fesses, c'est bon? Bah, avec les menottes dans le dos. Je vous enlève les menottes, on va faire ça. Je vous enlève. Attendez, écartez vos collègues, sinon ça va vous mettre les menottes. Oh, 50 bonheurs, les gars, sur ce live Mathieu 8 qui me gâte ces derniers bon, temps, les mecs. Enlevez ce pantalon. Alors, j'essaie de voir comment fonctionne. N'hésitez pas à gémir. La ceinture. À chacune de mes claques, s'il vous plaît. Monsieur, vous allez dans le muscle F5 et dans vêtements. Ah, je... Ouais, je vois vos messages, les mecs, ouais, tranquille. Pour l'instant, ça va, ça vous plaît? Ah, j'ai compris comment fonctionnait la ceinture. Arrêtez de demander des dédicaces, tout à l'heure, là, il y a une demi-heure, il y a Koba qui m'a demandé des dédicaces. Et faites des bruits quand on vous donne des claques. Vous êtes prêts? Ne bougez pas, gémissez, s'il vous plaît. Ah, tu vas aimer ça, ça va pas. Allez, t'es prêt? Faites quoi, là? Vous faites quoi? Retournez-vous. Excusez-moi, c'est juste la peur, en fait. Excusez-moi. Allez. Oh non. Top 500. Allez. J'ai mis. Arrêtez, s'il vous plaît. Top 500. Oh, ces fesses blanches, j'ai les plombs. T'as les plombs blancs. Oh, les plombs curlis. Ah, pourquoi j'ai... Ah, pourquoi tant de douleur? Oh, top 500, salope. Oh, un petit mal. Un petit mal. Laisse-moi mettre mon doigt collé tout le temps. Dégouliner mon doigt non, tout au long ça. De l'arrêt, l'arrêt non. Du sang. Je sens mon doigt qui rentre comme ça.
le caca, je recueille du caca. Je mets dans... Je souffle mon doigt, votre caca, il est goûtu. Laissez-moi tranquille. C'est bon. Alors, vous avez pris du plaisir? Non, monsieur, non, vous êtes très méchant, monsieur. Vous avez les fesses rouges, j'adore voir cette rougeur. Oh, ça m'excite. Tu m'excites, toi. Tu me sexites beaucoup. Bon, vous pouvez remettre votre pantalon. Et je vous y reprends plus, ok? Je peux partir, c'est bon? On est d'accord? Oui, vous pouvez. Au revoir. Au revoir. Marada? Quoi? T'es là. T'as kiffé? Bah la pauvre. Bah quoi? Mais les gars, skimé! Mais les gars, droit dans le chat, les mecs! Skimé! Mettez-moi des bases des skimé dans le chat! Skimé! Le blédard! Blédard Alpha est derrière! Tropicalis Boy! Peut-être que tu m'as vraiment tué de rire, hein? Ouais? Déjà, par contre, lui, il était RP, il a accepté et tout. Ouais, il a bien joué. Non, mais pour l'instant, il joue. C'est bizarre, on n'a pas de. On a pas de Chewbacca là. Allez tous ensemble dans le chat les mecs. Pour une petite rage des familles les gars. 3, 2, 1. Ouah. Venez, on va vous déposer. Oh là là, le chat qui s'emballe une nouvelle fois les mecs. On va vous déposer, venez monsieur. Non mais laisse-le, on y va. Riri, tu vois la voiture rouge ou pas devant? Ouais. C'est le mec qui t'a insulté ta mère et de la crue tout à l'heure. Ok, ok, vas-y, on y retourne. Il va se prendre à la police, viens on l'espionne, viens on le file. Vas-y. On l'espionne, on va voir ce qu'il va faire. Oh, c'est la mampette lézard breton. C'est joli, hein. Ouais. Alors je rappelle qu'on n'est pas en rediff, hein, les mecs, on est vraiment en direct. C'est juste qu'on a quelques petits soucis avec Twitch. Donc on n'est pas full synchro. Mais sinon on est vraiment en direct, hein, les gars. N'hésitez pas à laisser des petits messages, je les lirai pour vous montrer qu'on est vraiment en direct. Bonjour Mathieu. Ah bah. Hein? Hein? On s'est fait tuer? Hein? Bah... Faire les portes, fais un Twitter. Au moins. Ré, t'es mort toi ou pas? Non, non, dans la voiture. Bon, bah, j'utilise la force, hein, du coup, on s'en fout. Ouais. Vas-y, on a rien vu, hein, on est d'accord? Ouais, bah, t'es admin. Attends, y'a la police derrière, merde. Non, c'est pas. Non, c'est un. Il a volé le véhicule. Vas-y, on le laisse. On se barre d'ici, hein. Ouais, y'a un mec qui s'amuse à me sortir du véhicule. Attends, tu me laisses une minute pour renseigner, s'il te plaît? Y'a, vas-y. Spectate. Lui. Attends. Je me mets juste dans le véhicule. Des fois il y a un bug, hein. Mets ta ceinture. Attends. C'est pas lui. C'est pas lui. C'est pas lui, ok. T'inquiète, j'ai déjà une petite liste. Putain, what sort this? Ah, je te trouve un max solo, hein. Ouais, vas-y, après groupe aide maintenant. Groupe aide maintenant ou en mec ouais, solo? Maintenant, ok. La loi, c'est moi. Là t'as vraiment gros pédreur, hein. T'as 5 personnes, 10 personnes. Ok. T'es là.
C'est lui là, il est là, il est là, il est là. Bonjour messieurs. Excusez-moi messieurs. Attendez. C'est... Bonjour. Est-ce que tu pourrais me dire c'est qui s'il te plaît? C'est quoi ce monospace, on dirait? C'est lui là, le blond avec le costard rouge. Bonjour, bonjour mademoiselle, veuillez s'il vous plaît, vous... De quoi? Oui, s'il vous plaît, circulez, mettez-vous sur le bas-côté, je suis inspecteur du FBI. On a frappé personne, on vient d'arriver. Non, c'est pas lui en fait, c'est pas lui. C'est un mec. Oui, nous sommes dans un véhicule banalisé, nous procédons à quelques vérifications et des contrôles. Ne vous en faites pas, ce sont des choses mineures. Veuillez sortir de votre véhicule, coupez le moteur s'il vous plaît. Ah, elle joue RP. Je sais pas c'est quoi cette question, si c'est le fait que j'ai un permis ou pas. Bonjour monsieur. Non, c'est surtout le fait que vous avez un joli décolleté. Madame, Non, je rigole mademoiselle. Ne vous inquiétez. Tu peux descendre de ma voiture s'il te plaît? Tu vas vraiment me voler ma... Le mec il a volé sa... Attendez mademoiselle, ils me dites pas qu'il y a un flagrant, un flagrant délit de vol. Écoute-moi fils de schlag là, sors de ce véhicule et rends le véhicule à la demoiselle. Je l'ai kick pour elle. Okay. Alors sympa. Ok, bien joué, allez, sympa, ouais. C'est lui, monsieur. Bon, le monsieur en t-shirt blanc. C'est lui. Avec la prochaine fois que vous volez le véhicule à mademoiselle, je vous fais déchirer votre visa, ok? Ah, mademoiselle, je vais vous ranger votre véhicule sur le parking. Donc, du veuillez vous excuser auprès de cette demoiselle qui est tout à fait charmante. Bah, si, je vais vous le faire, vous inquiétez pas. Elle est vraiment. À genoux. Mettez-vous à genoux tout de suite là! Je sais pas comment. Ouais. Même moi, il met. Mais putain! Le muscle contrôle, s'il vous plaît. Même moi, il me met la pression. Voilà. Mademoiselle, est-ce que vous acceptez ses excuses? Il s'est mis à genoux. Oui, c'est bon. Ouais, faites-lui un petit baiser sur les pieds, monsieur en t-shirt blanc, s'il vous plaît. Oui, non, non, mais fais pas ça. Je vais entendre les gros bisous. Non, fais pas ça. Non, mais... Mademoiselle, vous savez que vous aimez bien ce petit style bling-bling que vous avez. Bon, je suis dans le cadre d'une activité professionnelle, je ne peux pas sortir du cadre privé, mais j'aimerais bien vous inviter à manger. Ah ouais. Aïe, qu'est-ce qu'il veut, le nom? Écoute quoi, monsieur Lan? Oh, j'ai dit quoi, c'est un gens qui frappe. Oui. Mettez-vous sur le bas-côté, mademoiselle. Venez un instant. Ouais. Et toi, t'as un problème du... Ah, moi, je suis un peu blessé, hein, c'est rien. Oui, ne vous en faites pas, j'appellerai les médecins. Vous voulez que je soigne, madame? Moi, vous êtes médecin, hein. Oui, non, mais je peux soigner les gens, j'étais pas médecin. L'inspecteur à côté de moi, mon collègue est médecin, il dit. Ah, d'accord, bah, je veux bien. Je vais tenter ça, madame. Est-ce que vous pouvez juste enlever... Il faut juste enlever votre veste, s'il vous plaît. Quoi? Bah, c'est pour... En fait, vous avez un problème au bras. Non, c'est à la jambe, mais... Bah, enlevez votre bras, non, mais je peux remonter... Une prise de tension, s'il vous plaît. Non, mais s'il vous plaît, madame. Je peux remonter... Bon, inspecteur, occupez-vous de sa jambe, tout de suite. En plus, j'étais parti pour aller chercher mes soins. Je ne veux pas le savoir, ferme-la. Et écartez-vous, nous occupons de la santé de la demoiselle, s'il vous plaît, écartez-vous. Écoutez, je pense que mademoiselle préfère ma veste rouge à la vôtre. Oui, certainement une veste achetée. Ah bah, bolos. Ouais, mademoiselle, c'est bon. Je vais vous faire ça, donc regardez-moi dans les yeux, dans les... Ouais, je vous regarde dans les yeux. Voilà, donc il faut enlever votre bain, hein, sinon ça va être compliqué, madame, vous pouvez comprendre, non? Ah ouais! Allez, s'il vous plaît, madame, vous ne serez pas déçu, c'est vraiment pour vous mettre des bandages, quoi. C'est le protocole. Il n'y a rien de plus. Si vous voulez, attendez, on va prendre la voiture, on va s'écarter, il y a trop de monde. Au pire, je peux relever juste mon pantalon, quoi. Oui, bah oui, c'est au niveau de la cheville, quoi. Oui, oui, mais par contre, attendez, on va prendre notre voiture, parce qu'il y a trop de monde, madame, ça ne dérange pas? Ouais. Suivez-moi. Mademoiselle, suivez-nous. Ah, mais c'est bon, faites-le ici, non mais. Monte frérot. Ah mais c'est ça. Attends, comment on peut l'emmener? Ouais, madame, venez. Non mais viens au concert, mademoiselle, venez avec moi. Mais venez à l'intérieur du concert, il y a trop de monde. Il y a des cages à l'intérieur. Aïe. Bon. Ouais, venez. Rentre à l'intérieur. Vas-y. Ferme la porte, tu peux, ferme la porte. Et hop, on la viole maintenant. Non, je... Ouais, donc tenez. Non, elle a l'air sympa. Monsieur, s'il vous plaît, le voiturier, voilà, veuillez sortir. Voilà, bougez pas. Allez vous occuper, l'immigré. Dehors, tout de suite. Est-ce que c'est bon, madame? Vous travaillez ici? Non. Ah bah, je peux pas rien faire de plus, j'ai essayé, madame, désolé. Ah merde, c'est pas grave. Vous avez l'air d'un médecin. Non, mais je vous fais un peu quand même. Je vous fais un bisou quand même. Non, c'est bon. Bisous, madame. Mon Dieu, mais... J'espère vous briser votre image. Je vais soigner, moi. Ouais, je... Écoute-moi bien, clochard que tu es. J'ai 7 fois ton salaire. Donc tu... C'est un vigile monoprix, lui, avec ses gants, quoi. Salaire ou pas, je m'en bats les couilles. Salut, le vigile monoprix, comment tu vas? Il va se calmer, la rabat-joie, là. Tu parles des inspecteurs du FBI. Vous voulez une bagnole ou vous sortez? Bah, fais voir ta plaque. Monsieur, je suis une personne banalisée. Je crois que je vais être plus clair. Ou tu sors ou tu prends une balle, même. Pardon?
Admin. D'accord, très bien. Bon, je vais exercer ailleurs. Ne vous en faites pas, c'est juste pour et établir. Et si on vend des voitures, on soigne personne. Nous sommes simplement des intervenants où nous soignons des personnes dans la rue. Nous avons quelques bandages et nous faisons ça, cette jeune demoiselle. Désolé de vous avoir importuné et d'avoir occupé vos locaux. Elle est la soignée d'or, alors elle attend que ça. Oui, en plus de ça, elle est fraîche. Elle a un joli décolleté, elle présente bien. Elle aime se battre, faites gaffe, elle aime mettre des droites. D'accord, très bien, elle a du caractère en plus. Je vous préviens, elle a mis 2-3 mecs KO dans les cages tout à l'heure. Des cages? Waouh, j'ai pas vu les cages, vous les avez même, monsieur? Non, c'est un modeur. Ah, est-ce qu'il a été exclu de la ville en pain? Vous l'avez déchiré son visage, je suppose? Pas moi, je m'en suis pas occupé personnellement. Oui, non, mais je veux dire, j'espère qu'il est plus en ce moment-là, en fait. Non, il est plus là, non. Ah, bah merci, alors j'ai eu peur. Oui, de sorte. Voilà. Merci, vous avez une très très belle posture, une belle présentation. Quel charisme. Désolé de vous avoir importuné, nous y allons. C'est pas grave, bonne soirée, monsieur. Bonne soirée. Tu vois, lui, j'oublie. Bonne soirée. Lui, il est correct. Ouais, mais vas-y, faut aller pas chill, t'es modo. Vas-y, viens, prendre notre véhicule, on se barre, y'a trop de monde derrière. Y'a trop de monde, ça va partir, on va mourir. On se barre. Ah bah, mademoiselle, je... Vas-y, viens dans le véhicule. J'ai dans le véhicule le blanc. Je vous inviterai une autre fois à manger, je dois y aller. Comment d'accord, dire. Très bien. Je dois aller sauver des innocents. Écoute ça, d'accord, voix, très bien. Puis-je vous faire la bise? Non, merci. Très bien. Mais passez une bonne soirée. Au revoir. Tu veux me faire la bise à moi? Tu veux me faire la bise à moi? Très bien. Bon. Oui, chef, je suis lent. Oui, c'est bon, je viens de me prendre à. Fais-moi la bise à moi. Non, c'est bon, la bise à moi. Ah, putain, la garce. La marate au TED. Moi aussi, je l'ai. Énorme pute. Ah, je déteste subir ça. Calmez-vous, chef. Moi aussi, je l'ai fait en poutou, elle m'a dit non. Je lui ai dit que je briserais son hymen, après, elle a rien dit. Merci Axelwo94, les gars, ça enchaîne depuis tout à l'heure, les subrissons. Merci beaucoup, les potes. Bon, on sait pas c'est dû à quoi, il y en a qui posent des questions, les mecs. Sinon, ça va, check Rakaï pour vous, hein, les amis. Quelqu'un tout seul ou pas, Réré? Ouais, vas-y. C'est mieux quand ils sont tout seuls, hein, y'a pas de. Tout le monde qui crie. Ouais, demain, ça sera réglé, hein. Merci Axelwo. Qu'est-ce qui t'a motivé à t'abonner à cette chaîne? Comment t'as connu ce live? Laisse attends, un petit message, t'es né en 94 je suppose. Je te fais un gros bisou. Vas-y, on va jouer quartier du modo. Hein. Merci à Mathieu, il y a tellement de subs depuis tout à l'heure, ça n'arrête plus hein, les gars, merci. Ouais, je sais qu'il y en a qui veulent encore que j'atteigne à nouveau les 3K subs, c'est énorme. Merci, merci beaucoup, vous me faites plaisir, c'est gentil. On essaye de vous le rendre hein, les gars, en faisant du contenu de qualité quoi. Non, sinon bah, ça va, pas trop décoiffé. Du bon RP depuis tout à l'heure. Hein. Ouais. Sinon ça va le chat là, pas trop décoiffé, ça va un petit peu trop vite, c'est un live à l'américaine. Hein, ça vous rappelle le Riri 2014, bah, je sais les gars. Quand les gens du chat ils vont comprendre que c'est un serveur whitelist et que personne ne peut rejoindre. Ouais. Alors pour ceux qui essayent, je sais qu'il y en a qui essayent de nous stall depuis tout à l'heure, alors qu'on a été accepté avec DMG, voilà, sur GTA Life. Donc là on est en train de tester un peu le RP et pour l'instant ça se passe très bien. Ouais, ça, c'est quoi là? Il y a beaucoup de slots en plus. On la joue sérieuse, strict et propre. Ah non, il y a un mec ici, mais on l'a déjà trollé, ça sert à rien, on est d'accord. Ouais, vas-y. Trouve un autre mec, je te trouve un autre mec. Alors, c'est pas, c'est dû à quoi, il faut que vous voyez avec Yomicon, hein. Les potes. T'entends les tirs? Ouais, vas-y, on sert à rien d'y aller, on va avoir des problèmes. On se prend un ban dans le temps. C'est mieux de faire le RP loin en pire. C'était pas mal le claquer tout à l'heure. Le quoi? Le claquement de fesses, c'est ça, il a bien joué le chinois, c'était cool. Ah ouais, bah oui, le claquement de fesses, hein. Il est où le mec? Je l'ai pas du doigt. Peut-être qu'il y a des coups, hein. Attends. Faut que je mette un point. Quoi, j'ai juste tuné le véhicule, pas l'extérieur mais le moteur. Faut pas qu'on se fasse chier.
T'as vu le son de la caisse ou pas? Tu l'entends comment? Normal. Ah bon, je l'ai changé. Attends. Et là, le son, il a changé, on est d'accord? Oh, je vois qu'il y a pas mal d'habitués. Attends, sur le live, comment, là. Comment, là, un gros moteur? Il y a Manché, il y a la modération qui est là. Il y a prise de flux, JediMet. Est-ce que vous voulez le chat qu'on refasse une petite chute de grue? J'aime bien ça. Tu sais que c'est le moyen le moins cramé, hein. Aucune langue et tout. Ouais. Ouais, c'est vraiment le. Bah, après, je peux exploser. M'exploser, le mec, il va comprendre qu'on est en mode or. C'est nul. Non, mais c'est bien. Moi, j'aime bien. C'est joli à voir, en tout cas, d'en haut. J'aime bien les petits châtiments corporels. C'est bon, on est arrivé vers un mec et au moins lui il est tout seul, on est sûr. Par contre, il y avait un gars qui disait tout à l'heure dans le chat, mène l'enquête, va au concessionnaire. Tu vois, on aurait. Parce que tu vois, il a filé un véhicule, le mec du concessionnaire. Bon, après, c'est l'admin, tu vois. Ah ouais. Ouais, c'est là. Ouais, c'est juste il y avait un mec. Mais tu vois, les mecs isolés, des fois, comme ils farment, ils sont tout le temps efficaces, les gogoles. Ouais, mais il y a juste à parler, ils se réveillent. Bonjour, monsieur. Bonsoir, jeune mongol, inspecteur du FBI. Vous nous entendez? Nous menons une enquête en venant de cette ville. Monsieur, on vous parle. Écoutez-moi. Oui, monsieur. Oui. Nous sommes deux inspecteurs du FBI. Nous circulons en véhicule banalisé. Nous menons une enquête dans le nord de cette ville. Ok. Êtes-vous au courant de l'attribut des chaque attaque qui sévit dans cette ville? Non. N'avez pas été inquiété par des loups qui ont quelque peu attaqué vos troupeaux, votre bétail, vos têtes de bétail? Non. Très bien. Bon. Pourquoi cela? Balit, j'ai l'impression qu'il se fout de ma gueule. Il est peut-être derrière tout ça. Comment ça se fait qu'à une heure si tardive, vous êtes là? Je vais fouiller le véhicule, voir s'il y a la drogue dedans, chef. Et savoir si c'est lui le propriétaire responsable de ces lieux. Non. Restez moi, ici, travaille... monsieur, s'il vous plaît. Ok. Moi, je travaille en tant que vigneron, moi. En tant que vigneron, vous faites partie du personnel? Ouais. Restez ici, s'il vous plaît. Procédez à vérification. Alors, le véhicule est aux normes? Bon, ok. Le véhicule est aux normes. Rien de... Bon, les vitres, là, ils sont brisés. Vous allez me faire gaffe. Il y a eu des grabuches sur le véhicule. Ça marche. D'accord, donc je sais pas, votre chef, qui est-ce, s'il vous plaît? Nous aimerions un nom. Je sais pas si j'ai le droit de donner son nom. Faudra le contacter. Vous ne voulez pas coopérer? Bah si, mais je vous connais pas, et il n'y a aucune vérification que vous êtes bien du FBI. Du coup, moi je donne... Collègue, mettez les limelotes. Non, pourquoi cela? Je vais vous montrer que nous sommes deux agents du FBI, voyons. Ah, ok. Mais vas-y, mets les limelotes. Moi, je vous jure, je connais pas, hein. Je viens d'arriver. Je viens d'être embauché il y a pas longtemps, mais c'est juste un jour d'essai, on m'a dit. D'accord, très bien. Vous êtes bien payé ou alors sous-exploité? Il est déjà 4h18. Bien payé. Oh, attends, je vais mettre notre heure. Bien payé? Attendez, vous êtes au SMIC. Monsieur, je vais mettre les menottes. Bougez pas, s'il vous plaît. Oui, ici, là-bas. C'est que nous sommes bien les inspecteurs. Bougez pas, s'il vous plaît. Pourquoi m'arrêter si je n'ai rien fait? C'est une simple procédure, moi, s'il vous plaît, parce que vous ne nous croyez pas, okay, que nous sommes des inspecteurs. Ok. C'est bon? Oui, c'est bon. Est-ce que vous avez mal au poignet? Dites-nous. Votre douleur? Oui, j'ai entre, un peu mal. Entre 1 à 10, s'il vous plaît. 5, 6. Ah, t'as mal, hein, salope. Ok, enlève-lui les menottes. Je lui enlève la menotte? Oui, c'est bon. Il se ressentit une petite douleur. Normalement, il le sait. Nous sommes des agents du FBI. Oui, oui. Aïe, répétez avec moi. F. B. B. I. F. B. I. Plus fort. Et dans FBI, qu'est-ce qu'il y a? Il y a I. Donc retournez-vous. Mettez-vous contre le mur. Contre le mur. Contre la tôle, là. Allez, hop. Monsieur, vous nous avez fait perdre notre temps. On s'est déplacé jusqu'à tard dans la nuit pour cette enquête. Nous avons détecté une présence étrangère. Regardez votre tête, vous êtes basané, vous êtes certainement un immigré ou un clandestin. Non.
Vous êtes américain? Non, non, moi je suis marseillais, moi. Je viens de la France. Attendez, nous allons procéder à une vérification. Vous êtes bien marseillais, vous dites? Oui. D'accord, très bien. Collègue, je procède à une vérification de la langue. Allez-y, oh. Allez-y. Et tu m'entends? Qu'est-ce que tu entends, Carole? Tu crées une digging? Bon, tu es de Marseille? Dis-le-moi. Oui, oui, collègue. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on dit? Allez, quoi? Allez, allez, quand t'as ton but, c'est quoi le colo? Dis-le-moi, allez. Allez, réponds-moi. Qu'est-ce qu'on dit? Quand t'en es à Marseille à la canabire, je l'ai dit, quand tu ne veux pas. Hein. Oh, grosso ouais, cargo, le coachier. Mais monsieur, moi, je n'ai rien fait, monsieur, moi. Qu'est-ce qu'on dit quand on a marché? Allez, dis-moi. En grosso fort, là. Grosso fort, et surtout, allez. Allez, l'OM. Voilà, allez, l'OM, c'est très bien. Bon. Oui, du coup, on pouvait me laisser, du coup. Oui, c'est bon. Ça va, alors. C'est un Marseillais, une cagole confirmée. Vas-y, moi, je fais croire que je suis pour le PSG et je lui fais sucer mon caca. Vas-y, attends. Vas-y. Oh, par contre, moi, il y a un petit problème, je suis pour le PSG. Oh merde. Oh, vous allez mettre contre le mur, s'il vous plaît, monsieur. Oh putain, non mais contre je rigole, j'aime bien la police. Contre le mur, s'il vous plaît, c'est pas de chance, Sid. Enlevez votre pantalon. Bah, je savais pas que vous étiez supporter du PSG. Je vous ai jamais voulu dire parce que vous êtes mon chef. Monsieur? Oui. Il fait froid. Regardez le mur. Je regarde le mur, là. Nous allons procéder à une vérification de votre anus. Ah, je lui arrache son caleçon. Ah. Vas-y, jouez. Non, mais ça fait pas si vite faire là. Encore. Non. T'aimes ça ou pas? Non. Arrête, s'il vous plaît. C'est bon. Mets-lui juste. J'ai du caca sur le gland, chef. Mets-toi accroupi, tu vas me nettoyer le caca. Mets-toi accroupi. Non. Mets-toi accroupi, je te mets juste mettez juste un coup de langue, s'il vous plaît. Ça ira très bien. Tu me regardes. Encore. C'est bon, bien lavé. C'est bon, collègue, c'est bon. Vous allez l'humilier, c'est pas. Veuillez excuser mon collègue. Des fois, il a quelques envies. Oui, mais c'est très bizarre. Mais... Oui, je suis désolé. Bon, pour vous dédommager, attendez. Collègue. Ouais. On va lui filer une petite somme d'argent. Comme ça, il se taira. Ok. Non, non, pas la somme d'argent, ça va nous. Je peux remettre mon pantalon. Quoi d'autre? Ah non, j'ai encore une meilleure idée. Oh. J'ai peur. Que diriez-vous d'un véhicule pour aller à votre travail régulièrement, tous les jours? Ah oui, encore mieux. D'accord, très bien. Attendez, je vais lui demander. Collègue? Ouais. Uber Caisse, tu peux les contacter pour qu'ils livrent une voiture tout de suite? Oh, mais une voiture de quel calibre? Juste un véhicule tout simple de transport. Remettez juste votre pantalon, ça me gêne, monsieur. Ah monsieur, oui, on a les odeurs de popo, s'il vous plaît. Veuillez remonter votre pantalon. C'est bon. Bon, je vous emmène, j'appelle Uber Caisse. Ils arriveront, vous en faites pas. Vas-y, venez, chef, j'ai appelé Uber Caisse, ils arriveront. Il faut que tu arrêtes avec le popo. Il faut absolument que tu arrêtes. Je sais pas ce qu'il a avec le caca, c'est bon. Attends, c'est toi qui l'as fait avant, tu te fous de moi? Oui, mais on fait qu'une fois, après on sens, on passe à autre chose. Bah, ouais, une fois chacun. Non, pas une fois chacun, non. Pourquoi t'inquiète pas que le chat, on a les viewers. On vite fait le tour, tu l'as donné sa caisse ou pas? Ah bon? Non? Mais attends, reviens. On non, mais je l'ai donné, oui, je l'ai mis. Ah, ok. Ah, vas-y, je vais avoir un autre Mac. Jouer RP, sinon pas de perdre. Moi, c'est pas pour nous. Je pense que c'est nous. Non, y'a personne qui nous spectre. On c'est a joué bizarre. RP là. Ouais, mais c'est bizarre. Attends, tu veux que je te dise où elle est le mode op? Ouais, mais avance. Viens, on joue RP maintenant. Enfin, RP, façon de parler. Hein. Attends, je le spec juste, je vais dire où il est. Non, il est en train de jouer. C'est pour ça en fait. Il est avec des mecs par RP, il est au Kansas. Mais c'est quoi ce golemon quoi? Il met un truc annonce dégueulasse quoi. Bon. Ouais, bah ce soir on vous gâte les mecs. Hein. En plus, pas de stalk, c'est guignol. Ils essayent de rentrer, de passer les whitelists. Bah faites-le, hein, bande de cons, hein. Allez-y, hein, bande de stalkers. C'est vrai qu'on devait remercier le Fonda de nous avoir whitelist. C'est quoi, merci d'ailleurs, le Fonda, merci beaucoup, c'est gentil, hein, de nous avoir fait confiance. Et tu vois qu'on pose de la qualité sur ton serre, on essaye de vraiment pousser le RP au plus loin. C'est beau. On peut applaudir, les gars, mettez-moi des clap-clap dans le chat, s'il vous plaît.
au fondateur qui nous fait confiance. Grand merci à vous dans le chat pour ceux qui mettent les clap-clap. Merci, merci la Mac. Ah, t'as eu un don, Réré ? Ah ouais. Ah non, j'ai eu un sub à l'instant. Merci beaucoup, Deluxe 91 130. Ça n'arrête plus, hein, les mecs. Merci à tous ceux qui se réabonnent et qui me font confiance, hein, qui veulent être divertis tard dans la nuit. Une seule chaîne, les gars, Scénarios TV. Merci beaucoup. Allez, un petit coucou à tous ceux qui sont dans le chat, les gars. Manifestez-vous. Il y a Entrave, Jawad, il y a Roronode, Street Lourd, Kilo GG, Nkalo, Nabo, Cavalon, il y a Kouriki également. Il y a Gaz de Big Show, il y a Koba, Metoxy. Merci beaucoup pour le monde tout à l'heure. Un truc pour régler en Streamlabs, non ? C'est chiant. Ouais, non, je sais pas, j'ai encore. Les gars, je suis allé voir là, je regarde mon téléphone et il y a toujours un souci avec Streamlabs, c'est pas grave, les gars. Casse les couilles. Délai sur les alertes et un peu le chat, mais ça va. Oh non, le mec depuis tout à l'heure où je vais, c'est un mec qu'on a déjà vu tout à l'heure. On le laisse tranquille, hein ? Ouais, laisse tomber, vas-y, retourne en ville, au pire, on fait un dernier barreau d'honneur. Hein. Bah non, il y a encore plein de mecs, hein, par contre. Ah ouais ? Vas-y, go. Ah ouais, ouais. Non, on partira pas, les gars, sur du multi-violing. Non, on fera pas ça, les gars. On fera que quelques petits châtiments corporels. Mais on essaie de jouer RP, les gars. Merci à Maxou 832, hein, je sais pas s'il est encore là, merci, hein, on reçoit que les alertes maintenant, merci beaucoup, c'est gentil. Allez, dis-moi. Benji de merde. Ah mais t'as senti horreur, hein. Ouais, t'inquiète. Non, je regarde où il est le mec, voir si elle a bougé. Non, elle a pas bougé. La loi, c'est moi. Ceux qui veulent venir, Ah non, mais pas... Ouais. J'ai dit tout à l'heure le serveur, mais on peut pas le redire, les mecs, désolé. Hein. Sinon, de toute façon, on peut le dire, il est waitlist. C'est Vega RP. Genre, c'est Vegas, mais sans As. Putain. Mais c'est bon, c'est waitlist, hein. Les mecs, ils vont essayer de faire waitlist, ça va pas marcher. Bon, alors, essayez de venir, mais par contre, les gars, vous jouez les scènes à fond, hein, les gars. Vous n'êtes pas ruinés, passer comme des, à l'antenne comme des guignols et à faire les cons, hein. Vas-y, je retourne en ville, hein. Gothéo dans le chat, RCKT 83. Pas d'appel de stalk, les gars, s'il vous plaît. Les modos. RCKT, Gothéo. Ouais, demande pas le serveur ou quoi que ce soit. De toute façon, on filera rien. Et merci, Nkalo. Pas mal cet endroit ici, là. C'est ouf. Franchement, GTA, c'est grand, en fait. Hein. C'est ouais. Balèze. Y'a rien ici, vas-y, au pire, on va en ville, hein, ça va être galère. Ah, je retourne en ville, là, je retourne en ville, hein. Ah. Mais en point garage central, là, y'a du monde. C'est mieux d'être sur un serveur whitelist, hein, rire. C'est beaucoup mieux, les gars. Ça vous plaît qu'on soit sur un serveur whitelist, les mecs? Comme ça, on n'a pas les stalkers à la con qui viennent passer la télé, faire des carpilles à la... De meilleure chance, ça plaît à beaucoup de monde. On fera que ça maintenant. On peut faire nos petites actions tranquillement. Parce que voilà, au moins on peut faire exactement nos scènes sans être dérangé. Aïe. Véhicule Reaper.
Ah désolé, j'étais sur la carte. J'ai repéré un mec, j'y vais. C'est sûr qu'on tombe sur l'autre mec qui est parti en égo là. Non mais je peux retourner sur lui si tu vois. Celui qui nous insultait, baise ma mère, je sais pas quoi. Ouais, attends, je vais dire c'est les cons. Il a côté du serveur. Ah dommage. On lui aurait fait comment se retrouver. Il aurait tellement rage. Non, il y a un mec là. En plus un nouveau joueur. C'est pas un stalker, mais c'est un nouveau joueur. Okay. Victimise-le. Bonjour monsieur. Vous m'expliquez, bonjour, hein, monsieur, ces je chaussures, suis elles sont pas aux normes. FBI, oui, c'est pas aux normes, ça, ce que vous mettez. Qu'est-ce qui est pas aux normes? Les chaussures. Monsieur, ne, c'est magnifique, ne discutez c'est magnifique. Pas mes ordres, s'il vous plaît. Je suis inspecteur d'inspecteur du FBI. Je suis avec mon collègue Richard Bolit. S'il vous plaît. Bonjour. Mais... allez dans un shop et changez-moi ces chaussures tout de suite. Non, elles sont magnifiques. Monsieur, écoutez, c'est mes goûts. Non, c'est mes goûts. Moi, je trouve ça magnifique. Monsieur, procédez à une arrestation, s'il vous plaît. Ok, non, bah non. Je vais vous mettre les menottes, monsieur. Quoi? Je suis là-bas, que je peux vous mettre les menottes? Non, mais c'est juste des chaussures. Je ne veux pas le savoir, monsieur, c'est un flagrant délit de non-goût. Alors bougez plus, monsieur, je vais vous mettre les menottes. Plus, vous êtes en état d'arrestation par là-bas. Votre chose. Écartez-vous, collègue, j'ai pas envie de vous mettre les menottes. Revenez ici. Monsieur, revenez. Attends, j'attends d'être proche de lui, comme ça c'est RP. Parce que si je les mets à 3000 km les menottes, ça va être cramé, non? Ouais, vas-y, approche-toi, de toute façon tu vas le rattraper. Ouais, je le rattrape, et de toute façon 5. Arrêtez, monsieur. Monsieur, je vole. Ah, c'est bon. Ah bah voilà, bah pourquoi vous avez couru, monsieur? Délit de fuite, monsieur. Mais on va rajouter ça. Non. Mais c'était pour vous montrer que mes chaussures, elles marchent bien. Ah bah si, vous allez payer l'amende, monsieur. Que diriez-vous d'une amende de 1 700 $ pour non-port de chaussures aux normes? Mais... ça me va. Très bien, bah payez-les tout de suite à mon collègue. Payez. Alors je vais vous mettre les amendes directement sur votre compte, donc faudra aller à la banque pour aller les chercher, d'accord? Ok. Il bon, va pas va, les payer maintenant, hein. Ouais. Non mais je peux pas mettre des amendes, faut faire jour, Réré. Bon monsieur, on peut trouver un arrangement. Oui. Vous n'avez rien contre les sensations fortes? Donc, je fais quoi, monsieur? Regarde, à toi, il y a une grue, il y a 3 grues même. D'accord, bah vous allez nous suivre. On va vous montrer un petit peu ce que c'est que des belles sensations. On va vous équiper d'un parachute. Ne vous en faites pas, tout se passera bien. Tu sais quoi, je vais chercher un hélico et on le fait sauter dans les airs de l'hélico. Ok, vas-y, on fait ça. Dis, reste ici, je vais chercher l'hélico. Vous m'aviez dit à l'instant que vous n'avez rien contre les sensations fortes. Mais c'est différent, j'ai le vertige. J'aime bien les sensations fortes, mais j'ai le vertige. Bah, c'est très bien, vous allez l'avoir encore une nouvelle fois. Vous allez kiffer, monsieur. C'est comme ça que vous dites les jeunes, ça. Kiffer. Oui. Kiffer la race, c'est ça? Non. Comment vous dites les jeunes? La moulaga? Être une moula, c'est ça? Oui. Je suis une grosse moula. Chantez-moi la chanson alors, tout de suite. Donnez, dodo, donnez-moi de la moulaga. Hein, la moulaga. C'est bon, j'ai appelé le véhicule de fonction, collègue. Allez-y, continuez à faire la danse, la chanson, s'il vous plaît. Attendez. Ah oui, excusez-moi. Monsieur, j'ai mal à la voix. Continuez à chanter, allez là, ça me donne envie de baiser. Donnez, dodo, donnez-moi de la moulaga. Donnez-moi de la moulaga. Oh, la moulaga. Je connais plus les paroles. La moulaga. Allez, vas-y, venez, collègue, il y a la véhicule qui vous attend. Venez, monsieur, venez. Collègue, chef, venez, il y a le véhicule, pas qu'on se fasse voler. Je me frotte les dizis. Vous êtes sûr que vous êtes du FBI, monsieur? Bah, ouais, j'ai mis le mandat, monsieur. Pas. Ah bah, vous êtes efficace, cher collègue. Non, laissez-moi conduire, conduire. Non, mais... vous sortez tout de suite. Non, mais j'ai... Ah. Là, vous en faites pas, on va faire une petite balade dans les airs. Montez. Vous en faites pas, collègue, je tiens mon volant. Ça va, vous avez pas le vomi, monsieur, derrière? Non, ça va, je suis habitué. Attendez, je vais l'équiper tout de suite d'un parachute. Regardez, il est à votre droite. Prenez-le, c'est bon? Oui. Attendez, on va se poser sur la maison, chef. Ouais, très bien, mais je vais sauter avec lui pour le former. Comment on utilise? Ouais, t'inquiète. Je vais vous dire, le vous en faites pas. Attendez, c'est le muscle soin. Que la gauche au espace. Attention. Vous êtes vraiment compris. Non, qu'est-ce que tu fais? Oui. Tu l'emmènes là ou direct et on fait sauter? Ah, ok, j'ai pas con, pas con. Attention, nous sommes en approche. Attention.
bah c'est très bien. Bravo à vous. Atterrissage parfait. Sortez du véhicule, j'ai enlevé les hélices. Donc descendez par les escaliers, monsieur. Regardez, vous regardez, monsieur, la vue que vous avez. Regardez, on vous fait kiffer, non? Oui, mais... Oh. Attendez. Ça... Non, mais c'est pas beau. J'aime pas la ville. C'est une belle ville, ne vous en faites pas. Vous êtes nouveau, vous apprendrez. Oui, oui. Vous apprendrez à la connaître dans les moindres détails. Vous voyez bien d'en haut. Je préfère la forêt. Venez, monsieur, vous mettez-vous sur le côté. On va faire un saut de parachute ensemble, monsieur, c'est compris? Oui. Nous allons sauter. Ah, vous êtes prêts? Non. Vous passez en premier. 3. Allez-y. 2. 1. Allez-y, monsieur, allez-y. Vous appuyez sur la touche F, hein. N'oubliez pas dans les airs. Anti-shit. What's Kiket Super Jump? Il a été kick à cause de nous. Bon. Très beau travail. Bon, j'espère qu'il s'en mettra. Normalement, le parachute s'est activé, je pense, à la fin. En fait, tu sais, Réré, pourquoi l'antichute la kick? Ouais. Parce qu'en fait, la console a vu qu'il a, il a sauté de super haut et qu'il était pas mort. Et donc, la console a cru un super jump et il a détecté un shit, sauf qu'il cheatait pas, la mec. Mais il a été ban? Non, il a été kick. Ah, ok. En fait, c'est juste qu'on l'a fait sauter de super haut et du coup, ils les ont détectés, ils ont cru qu'il cheatait. Est-ce qu'on fait ça à d'autres personnes ou pas? Ouais, on fait ça, ouais, vas-y. Bah s'il coopère, sinon on l'a déjà fait, on peut changer autre chose, on peut trouver autre chose. D'accord. J'y vendais les cons, on s'en fout, hein. Ouais, tu es pas spot, hein. Mais toi, rapproche-toi de des groupes et... On se met sur un toit. Ouais, on se met d'une personne par contre, c'est chiant, en groupe. Au groupe de deux, mais... Bah vas-y, le groupe de deux, alors. Viens, mec, là, je descends frontal sur lui. Hop, je rattrape. C'est sérieux, vas-y, essaye de le découper si c'est pas un modo. J'espère qu'il y a pas de... y a personne qui nous regarde. Vas-y, essaye de faire. Attends. Non. T'inquiète. T'en fais pas. Et j'ai mis les précautions sur le véhicule. Je suis pas naïf, frère. Tu me prends pour qui? C'est bon, on peut descendre. Sauter. Ouais, ouais. Je l'ai mis en god, le véhicule, pas naïf. Bonjour, monsieur. Bonjour. Nous sommes les inspecteurs du FBI, nous. Bonjour. Monsieur. Vous descendez du véhicule, s'il vous plaît, monsieur. Descendez du véhicule tout de suite, s'il vous plaît. Vous allez me voler ma voiture. Non, on n'a pas que ça à foutre, nous avons un hélicoptère, regardez juste devant vous. Il est à nous. Aussi, je descends. Bon, monsieur, essayez de parler un peu plus près de votre gorge. Regardez les chaussures, chef, elles sont pas énormes. Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Monsieur, comme le dit mon collègue, vos chaussures ne sont absolument pas aux normes. Il va falloir repasser par la case magasin shopping. Parle plus fort, on n'entend rien. Et parle plus fort parce qu'on t'entend pas. Vous avez pas de l'argent à me passer, monsieur? Un clochard en plus de ça, immigré. Comment ça de l'argent? Vous êtes malade, monsieur? Désolé, monsieur, je suis à la rue, mon père m'a viré en fait. Je peux remonter dans ma voiture, monsieur? Excusez-moi, je vous entends plus. Attendez, là, non, attendez, descendez. Descendez, s'il vous plaît, monsieur. Excusez-moi, monsieur, mais je peux voir votre carte du FBI ou pas? Ne vous en faites pas, mon collègue va vous mettre les menottes pour montrer que nous sommes des inspecteurs du FBI. Donc, monsieur, descendez. Monsieur, s'il vous plaît, descendez du véhicule. J'ai rien fait, monsieur. Vous n'avez rien fait? C'est ce qu'on va voir. Je vais... Fais descendre vite. J'ai rien fait, moi, monsieur. Monsieur, s'il vous plaît. Attendez, je vais mettre le véhicule ailleurs parce que vous n'arrêtez pas de... C'est bon, je le mets la main, chef. Attends, je le mets la main comme ça, il n'arrête pas de... C'est bon, chef, maintenant que je l'ai mis le menottes, il nous suit, il nous croit. Bon, monsieur, vous êtes bien d'accord que nous sommes des agents du FBI maintenant. On va se mettre là, au coin du soleil. Monsieur, vous savez, c'est un quartier méprisé par les riches, monsieur. Vous n'avez pas le droit de rester ici, vous êtes pauvre, sale, et en plus de ça, vous puez de la gueule. Et puez des fringues. C'est du racisme. Non, ce n'est pas du racisme, c'est ce que je constate chez tous les Mexicains qui arrivent dans cette ville. J'appelle mon avocat, monsieur, Appelez votre avocat, vous avez le droit d'appeler votre avocat. Vous pouvez me prêter votre téléphone? Non. Parce que vous allez l'infecter. Enculer, monsieur. Allez vous faire enculer, monsieur. Pardon? De quoi? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous aviez dit à l'instant? J'ai rien dit, monsieur. Très bien, vous foutez de ma gueule en plus. Et toi avec ta chemise, je te pisse dessus, bon fond. Excusez-moi, monsieur? De quoi? Excusez-moi, monsieur. Écarte-moi, je vais faire ça à l'américaine. Laisse-moi gérer. Bon, au pire, on met 2 balles. Hein, t'inquiète, tu vas voir. Mais viens, faut que tu sois proche de moi pour entendre. Ok. Bon, je répète.
à toutes les unités, je répète, à toutes les unités, et je parle spécialement aux snipers qui sont sur les toits. À tous les snipers, vous... Oui. Vous me l'abattez. Mais pourquoi vous voulez faire ça, monsieur? Je veux pas le savoir, monsieur, vous avez qu'à vous excuser tout de suite sur le champ, vous nous avez insulté et manqué de respect, monsieur. C'est un code rouge, vous l'abattez tout de suite, je m'écarte, code rouge. On doit exterminer tous les étrangers dans cette ville, désolé. D'accord, d'accord, je suis désolé. Trop tard, monsieur, vous allez mourir. Je suis désolé, monsieur, pourquoi vous faites ça? Je ne comprends pas. Parce que c'est moi, la loi. Vous n'avez qu'à me respecter. Désolé, monsieur, c'est bon. Bon, vas-y, le tue pas. T'es où, DMG? Proche de Tupin. Il a insulté, il a dit qu'il pissait dessus. C'est trop facile de s'excuser après l'insulte. T'es sûr? Oui, vas-y. Écartez-vous, chef, il y a les snipers qui sont prêts. Vous avez. Excusez-vous. Mais. Bon, vas-y, explose-le. Hein. Mort? Non, regarde-le, je vais le torturer comme un petit rat d'égout. regarde-le. Attends, je le tiens. Nice breakdance. Bah alors, on s'amuse à faire le breakdance, comme ton grand-père dans les centres commerciaux. Alors, on s'est touché par les snipers. Eh oui, les snipers n'ont pas des balles. Ils ont des flèches stimulantes pour te stimuler, sale connard. Bah alors, grosse folle que tu es. Alors, on pisse sur qui maintenant? J'ai jamais dit ça, moi, monsieur. Alors, c'est qui l'enculé? Ok, bougez pas. Si vous me laissez tranquille, je vous ramène à mon gang. Très bien, il nous ramène à son gang. Ok. Ok, on va prendre l'hélico? On prend l'hélico, vous venez avec nous alors. Bon, bah, il est mort. Ressuscitez-moi, s'il vous plaît. Comment ça, ressuscitez-moi? Vous êtes malade? Déjà, comment vous parlez alors que vous êtes dans le coma, monsieur? Et comment? Non, il est mort. Vas-y, parlez-moi, le mort. Je vous entends pas. Ressuscitez-moi, s'il vous plaît. Vas-y, viens, on se barre, il est pas RP du prêtre, il ressuscitez-moi, il pense qu'on est qui? Mais ressuscite-le, on l'emmène à l'hélico. Je pense que vous pouvez me ressusciter, s'il vous plaît. Oui, on va essayer de le faire. Je peux te bannir, hein. Mais pourquoi, en fait? Pourquoi juste vous m'avez tué alors que j'allais juste partir? Mais vous êtes mort, là, normalement. Alors, si vous voyez une lumière blanche, allez-y. On veut plus vous revoir sur Terre. Non, je suis dans le coma, monsieur. Je suis dans le coma, mais je vous parle avec mes pensées, là. D'accord. Il parle avec ses pensées, il me dit. Ça me s'excite. Il a cru que j'étais qui pour réanimer, moi? Toi, t'es un Moldave, toi. Un quoi? Non, je suis un papillon, pas un Moldave. Qu'est-ce qu'il veut, ce guignol, quoi? Vas-y, chef, on se barre. Écoutez, j'ai une proposition à vous faire. Vas-y, viens. J'espère que c'est un gros deal, que c'est un big deal, même. Moi, contre votre collègue, on se bagarre. Celui qui gagne, il peut partir. Il veut se taper. Vas-y, viens se barre, il veut de l'attention, il est nul. Ok, il est cool. Prends l'hélico et on... Il a juste qu'à faire un retry, non? Ouais, il a juste à faire ça, qu'est-ce qu'il casse les couilles? Non, alors on est en direct, les gars, vous allez voir, vos messages vont s'afficher, c'est juste qu'il y a un petit délai, malheureusement, c'est à cause de Twitch. Je sais pas, il y a quelques soucis. Ne vous en faites pas, les potes. Mais tous vos messages, vous allez voir, ils vont être affichés. Vas-y, un autre gars. Attends, je vais juste dans les airs pour faire un... Tu sais, ouvrir la map. Pour pas que ça descende trop vite. Dis-moi si l'hélico il est proche... Dis-moi quand il est prêt à tomber, ok? Non, pour l'instant il est en l'air. En vol géostationnaire. Vas-y, j'ai des mecs, on y va. Alors, vous kiffez les mecs dans le chat, on me dit ça arrive pas tous les jours, ça, du RP comme ça. Bah, après, on a mis tout en place pour proposer ce live avec DMG et tout le staff de Larius TV. Voilà, on vous expliquera après en off comment on a fait, mais là, vous avez pu le voir depuis tout à l'heure, on enchaîne des scènes. Ça se déroule, voilà, c'est comme aux petits oignons. J'espère que vous prenez un malin plaisir à regarder ça. Quand tes viewers, ils vont savoir que t'as bien sucé l'admin du serveur Whitelist sur Discord, ouais, Whitelist. Après, ça nous impose d'être whitelist sur des serveurs, mais au moins, voilà, je vois, il y a des merci Riri, merci, ouais.
des mecs là-bas, t'es sûr? Tu vas où là? Ouais. Ils sont juste derrière la montagne, on s'en fout, on va vite avec les coureurs. Okay. Et attends, je lui mets un petit boost à l'aider, si tu veux. Et merci à Twinzy et Umaxo832 qui s'est abonné, Twizy62800, bon, ça reste une belle session de streaming, merci les gars. Regarde les kilomètres comment. Salut à Xebovic, à Xabi, salut Idriss Olias, Siko, le petit Nat, salut à Sina, Deluxe qui s'est abonné avec Série Sub, salut à Star Platinum. Regardez où on vous emmène les gars, dans les hauteurs de Los Angeles, c'est beau ou pas? Là je regarde mon téléphone, c'est pas prêt de s'arranger les gars, il y aura toujours le délai jusqu'à la fin du stream, mais tant que vous prenez du kiff, c'est le principal. Enfin les délais sur les subs, c'est tout. On s'en fout les gens d'avoir du délai sur leur subs. On s'en fout, ouais. Ils ont... Donc ils voient les scènes et tout. Allez, on descend, on rappelle, regarde c'est qui le pro conducteur. Oh merde, y'a des 5 points là. Alors pas, regarde. Non. Oh merci Cissé, merci beaucoup, merci les gars. Merci à tous ceux, si j'ai raté des subs, n'hésitez pas. Hein. Manifestez-vous dans le chat, les mecs, levez la main. Tu les vois les mecs là? Ouais. Attends, mais cet endroit il est ouf pour faire du RP gros. Y'a un camion là-bas. Je suis en étroite relation avec les admins de Twitch les gars, je suis en train de regarder sur mon tel. Alors voilà ma canton. Attends, je regarde. Regardez juste en dessous, juste en dessous. Ah ouais, je vois, ouais. Tu peux le déchirer à la palle ou pas? Non, tu veux pas lui parler? Ouais, vas-y, vas-y, on va lui parler. Non, en fait, après, on va lui dire de se mettre en plein milieu et de pas bouger, ok? Ok. Attends, je juste faut que je pop. Dans les logs, il le voit pas, non? On l'a tué à la palle, si? Non. Ah, il écrit environnement kill. Quand tu as la palme, mon car kill, en fait, il écrit environnement kill. Suis-moi. Hein. Il se tire. Hein. Suis-moi. Oh putain. Putain, mais faire du RP ici, c'est stylé. Mais c'est le chinois qu'on dit tout à l'heure, non? Bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Nous sommes inspecteurs du FBI. Nous avons reçu. J'ai reconnu, oui. Ah. Oh, pourquoi on vous a déjà parlé, monsieur? On a déjà eu affaire à vous? On peut dire que oui. Ah, je me souviens, c'est bien vous qui avez eu le cul rouge. Qui avez eu le cul rouge? Eh bah, à cause de vous, monsieur, maintenant je boite. Ouais, ça nous embête, ça. Ah oui. Donc vous faites quoi ici, monsieur? Parce que nous avons reçu un signalement. Bah moi je travaille en fait, tout simplement. Qu'est-ce que vous faites? Bah je suis bûcheron. Je travaille... D'accord, très bien, nous allons procéder à une vérification de votre travail. Nous sommes inspecteurs du travail également. Travaillez juste devant nous pour voir un petit peu ce que vous faites. Il va falloir un... Vous êtes multitâche, c'est ça? Attends, je vais le faire mettre en plein milieu, Réré, t'inquiète. Suivez-moi, monsieur, je vous emmène au point de récolte de bûcheron, suivez-moi. Est-ce que tu peux le bloquer à un endroit et on essaie de mettre un coup de palle? Ouais, après, il est gentil, c'est lui. C'est pas grave, il mérite un coup de palme. Okay, il est pas 4 ici. Ouais, en même temps, il respecte pas le code du... Monsieur, vous savez que vous ne respectez pas le code du travail. Vous n'êtes pas censé travailler tout seul ici. Hein. Vous devriez avoir un responsable. En fait, le responsable m'a dit qu'il me laissait cours à... Bah, il avait confiance en moi et il m'a dit « Si t'as besoin un peu plus d'argent, je te paierai 6 jours en plus. » Bah, mettez-vous là où je suis, monsieur, s'il vous plaît. Voilà. Bougez surtout pas, monsieur. Mais là, c'est bon, là. Vous allez rester ici. Ne bougez surtout pas, nous procédons à une expérience. Tiens-moi, au cas où, j'ai peur de te palmer aussi. T'inquiète, gros. Non, t'es trop près de lui. Là, si je fais ça. Ok, c'est nickel, là. Ne bougez surtout pas. Non, mets-toi là dans le toboggan derrière toi. Tu vois le toboggan gris? Non, mais il faut que j'entende sa réaction. Ah, tu veux que t'attendras après? Vas-y, là, c'est bon.
Ne vous en faites pas. Nous procédons à une vérification des pales. Vas-y. Penche-toi bien, penche-toi bien encore, 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 encore. Continue la scène, s'il te plaît, je suis mort. Monsieur. Tenez-moi, tenez-moi. Je vais vérifier la cause de la mort. Je la sens plus. J'identifie la cause de la mort, chef. Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur, est-ce que vous avez des membres de votre corps dispersés? Vous les sentez? Qu'est-ce qui vous manque? Je crois que tout y est. Mais il est impossible de savoir la mort. Pourquoi? Je crois que le sang est... Ça va, monsieur? Bon, cher collègue, je vais appeler les médecins parce que c'est très grave. Non, mais c'est bon, j'ai appelé Danny. Souviens-toi, c'est le chef de Diamas, il me connaît très bien. D'accord, monsieur, nous sommes en étroite relation avec les forces EMS, nos urgentistes, nos meilleurs urgentistes. Compressez la plaie, s'il vous plaît, collègue. Je compresse la plaie. Non, calmez-vous. Perdez pas tout votre sang. Donnez-lui un peu d'eau, attendez. J'ai une bouteille d'eau, heureusement que j'en sais. Attendez. Vous voulez un peu d'eau? Je sens que ça va pas tenir longtemps. Allez, buvez, buvez l'eau. Allez-y. Elle est fraîche, elle est bonne cette eau. Hein. C'est de la cyprine, c'est du 2 ans d'âge. Elle vient du Nigger, là, que j'ai connu. Ça désaltère bien, oui. Ah, j'ai plus mal à la gorge d'un coup. Oh. Ça débouche la chiotte, ça, hein. C'est vrai, Spencer? Je suis pas un fin connaisseur de cette eau, mais elle fait du bien au moins. Bon, on va chercher... Oui, on va aller chercher, monsieur. Restez ici. Bon, restez ici, on va chercher les médecins. Super bon, cette côte palmarès. Super bon. Tu vois, pas mal, hein. En plus, t'as vu comment il est tombé. T'as bien avancé en frontal, là. C'était beau. T'as vu, mais moi, ça m'a tué de rire comment il est tombé raide. Ouais. Le skin, il y a son corps par terre. Oh, putain. Allez, en plus, ça fait la deuxième. Déjà, la première fois, on l'a traumatisé parce que tu... Merci Corentin le français, c'est gentil pour vos compliments. Et merci à Cissé pour ses 11 mois d'abonnement et Twinzy. Présentez-vous d'ailleurs les nouveaux subs, ceux qui s'abonnent. N'hésitez pas à laisser un petit message. Comment vous avez connu cette chaîne? Qu'est-ce qui vous a motivé à vous abonner? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? J'aimerais apprendre à vous connaître en profondeur. Pas beaucoup de streamers le font, voilà, mais moi c'est aussi ma manière à moi d'avoir un petit contact proche avec vous. De quoi? Depuis tout à l'heure on a pas eu de talk, c'est un peu bizarre. Hashtag chance. Ouais. Par contre, c'est trop bien de RP sans stalker. Hein. T'as vu, ça change. Hein. Putain, c'est ouf. Mais on fait tout ce qu'on veut. On a fait 10 scènes d'affilée là. Et on est toujours sur le même serveur. J'avoue, avant, on faisait quoi? Une, deux? Et c'était fini après. Voilà, là on en a fait 10. On est toujours pas banni. Alors qu'on a fait masse truc cramé. Vous en pensez quoi d'ailleurs là? Le fait qu'il n'y ait pas de stalker, ça change hein, vraiment. Franchement, on est comme voilà. On est en train de faire une petite session de pentaglisse tranquillement. Pas d'accro. Ça glisse bien. Moi, j'ai cru que ça aurait gêné tes viewers qu'on soit sur un serveur whitelist. Mais non, hein. Ah, c'est beau ça. Ré, on va aller sur un mec qui sera en train de rouler, donc faudra que tu lui dises de s'arrêter, ok? Ok. Pensez que. Le ramadan, en plus, ça a commencé. Je vais te dire, c'est qui, hein? Yep. C'est le gros camion, hein, je sais pas si tu le vois d'ici. Ouais, je vois un gros camion ouais, qui se balade là. Qui saccade oh, même. Lui. Le blanc là? Ouais, il est full saccade. Vas-y, au pire, on va le laisser, c'est trop chiant de le rattraper et tout. Ouais, il va vite hein. Ouais, vas-y, on retourne en ville, il y a plein de monde en ville. Voilà, vu qu'on a quoi. Un mec en dessous. Il a arrêté en plus.
Notre jour de chance. Vas-y. Attends. Et on dit pas du best jump, y'a un mec dans le chat qui a mis best jump. On appelle ça du base jump. Putain, mais quel. T'as pris un raisin ? Ouais. Attention. C'est un florilège. Attends, attends. Attends, je me pose tranquille. Attends, raison, je vais faire un truc. Tiens. Oui, 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 oui. Bonjour. Ben bonjour. Non, viens, Rere, tu fais quoi? Il est où? J'arrive. Bien le bonjour, monsieur. Je suis inspecteur du FBI. Je me présente. Monsieur, vous êtes sur le côté, s'il vous plaît. Inspecteur Reaper. Nous avons eu un signalement. C'est pour ça que nous sommes dépêchés en hélicoptère, monsieur. Donc, je suppose ça. Monsieur, mettez-vous sur le bas-côté, un accident est vite arrivé, monsieur. Voilà, monsieur. D'accord. Oula, vous avez l'air mal en point, vous êtes fait des croisés dernièrement? En fait, j'y allais trop fort. Ça fait une bite dans le cul et ça fait assez mal. Quoi? Ah, vous êtes homosexuel? Un viol? Non, 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 pas du tout. Non plus. Qu'est-ce que vous avez expérimenté, monsieur? Dites-nous en plus. Je sais pas. Une bite dans le cul, j'appelle ça comme ça. Je sais pas pourquoi, je me suis levé, j'avais mal au cul. Hein. Monsieur, il est interdit de consommer des stupéfiants dans cette ville. Vous ne vous souvenez de rien, du coup? Je crois que j'en ai consommé, oui. D'accord, vous avez certainement mélangé ça avec de l'alcool, non? Non, je sais pas si c'est vrai. J'ai vu des genres de roquettes s'abattre sur moi. Et je me suis fait taser de mon véhicule, je comprends pas. Très bien. Il est peut-être avec. C'est peut-être stupéfiant. Vous alliez où à cet instant précis? Vous alliez où, monsieur? J'allais à mon travail. Et quel travail, monsieur? J'étais engagé comme abatteur. Comme? Abatteur. Ah, d'animaux, pas d'humains. Enfin, je crois. Violeur d'animaux? Qu'est-ce que vous m'avez dit? J'ai dit ça. Rabatteur d'animal? Je n'ai pas bien compris. Qu'est-ce que vous... J'ai dit quoi? Qu'est-ce qu'il raconte, ce con? Il est bourré. Monsieur, oui. Nous allons procéder à une vérification de votre taux d'alcoolémie. Collègue, procédez, si vous voulez, lui tenir le poignet et mesurer son pouls. J'ai pas bu. Et sa pression artérielle. Je ne veux pas savoir, vos propos sont incohérents, monsieur. Écartez-vous, chef, pour que je mette les menottes à vous. Excuse-moi. Faites quoi? Tu m'as fait peur. Je lui mets la manotte. Vous m'avez touché. Ça m'a stressé. Qu'est-ce qui branle, le gars, là? Ouais, mais j'ai rien fait de mal, moi. Oui, attendez. Laissez-moi. Oui. Wow. Monsieur, s'il vous plaît, veuillez garder votre calme ou un accident. Je devais disparaître. Ah, j'ai vraiment bu, je crois. Ne paniquez pas, je suis juste derrière vous. J'ai mis la manotte, monsieur. Wow. Monsieur, vous êtes bourré, monsieur. On va peut-être faire un tour d'alicon, ça va lui rappeler les idées, chef. Non. Monsieur, vous roulez dans un véhicule à une certaine vitesse, avec un taux d'alcoolémie supérieur à la norme. Ça peut aller très très loin, ça. Chercher très très loin. J'ai rien fait de mal. C'est pas ma faute, hein. J'ai pas bu, mais j'ai pas bu. 3 ans d'emprisonnement et 125 000 dollars d'amende. Mais non, j'ai un cancer. Ça va, c'est bien à cause de ça. Tomber sur nous. On va pouvoir vous épargner. Oui, c'est vrai. Oui, moyennant un châtiment corporel. Quoi? Vous êtes d'accord? Veuillez signer cette décharge. C'est quoi un châtiment corporel? Si j'ai envie de me dégâter. Votre intégrité physique ne sera en aucun cas mis en cause. Ok. Je peux pas signer. Je peux signer avec ma bouche. Vous allez simplement cracher. Sans signature ADN, okay. Il suffira. Pfff. C'est bon, il vient de signer le registre. On peut y aller. Emmenons-le. D'accord. On le fait quoi, du coup? On a déjà fait pas l'aide. En milieu de la mer. Je crois qu'il est à moi, je suis pas sûr. Monsieur, comme vous êtes quelque peu bourré. Salope. Ah bah oui. Montez dans le. Vous avez vu cette agressivité? Montez dans l'hélico, monsieur, s'il vous plaît. Ouais, me foncez dessus. Monsieur, vous. Décollez pas. Je sais pas conduire, moi. Hein.
Ne vous en faites pas, nous allons procéder à une simple vérification de votre qualité de nage. Je vais le faire sauter au-dessus du yacht, comme ça il va nous en dire un petit peu long, un petit peu sur vos capacités à rester, comment dire, compétent physiquement à 100%. Vous avez compris ce que je voulais dire? Non. C'est-à-dire que si vous êtes bourré, en quelque sorte, vous serez mort. Si vous ne l'êtes pas, et que vous reprenez vos esprits rapidement, vous serez épargné. Ça vous va ? Quelque chose, ça fait quoi si je glisse? Comment ça, vous glissez? Comment ça? Tu veux l'emmener où? Tu veux l'emmener où, gros? Dans le lieu de l'ascenseur, là, de l'hélicoptère. Attends, non, ouais, tu dis de sauter dans l'eau, de bien viser le yacht, ok? Ouais. Monsieur, tu fais un vol stationnaire, il est où le yacht? Ouais, il est là, vas-y. Monsieur, vous voyez le yacht juste en bas, là? Vous m'entendez? Ouais, c'est chez moi. Non, c'est chez vous. D'accord. Très bien, vous allez sauter et essayer de bien viser la piscine. Attendez, pas maintenant, pas maintenant. On vous a mis le parachute, monsieur, dans votre dos. Attendez. Essayez de bien viser les canapés. Pas maintenant, pas maintenant. Vous les voyez? Je vais vous dire le go. Pas maintenant. Attendez, monsieur. Non, je comprends rien. On vous demande de sauter. Non, vous allez viser. Non, sur le yacht, je vous ai mis le parachute dans le dos. Ah bah il est. Attends, est-ce qu'il va mourir de chute? Est-ce qu'il va mourir de chute? Est-ce qu'il va mourir? Il est mort de chute. Attends, approche-toi que je vois bien. Bon bah attends, le test. Attends, non. Ah bah il est mort là. Bah oui, il est mort de chute, il est. Si tu peux lui parler, t'entends d'ici, il t'entend. Monsieur, vous m'entendez? Attends, tout va bien? Attends, je me pose. Vas-y, pose-toi. Attends, faut que je gère ces petits là. Est-ce que tu penses que je peux le faire ou pas? Vas-y, pose-toi, montre le talent. Aïe, aïe. Non, t'inquiète, t'inquiète. Regarde le talent. Bien joué ça, on va aller le voir. Ah oh, putain, il est en train de convulser, il est en train de perdre son sang. Attendez, je presse ici. Vous m'entendez? Vous avez mal ici là si je presse? Il y a beaucoup de sang comme maman. Il joue bien, ça va? Je crois que je me suis un petit, fait un petit peu mal. Ne vous en faites pas, il y a un médecin. Attendez, je vais voir dans l'équipe. À bord de ce bateau si l'équipage est présent. Y a-t-il un médecin ici? S'il vous plaît, oui, on est en masse dans le bateau. Putain. Non, c'est à gauche, chef, c'est à gauche. On est en masse. C'est trop bien rentrer à l'intérieur. Wouah. T'as les moyens d'organiser des vraies soirées ici. Hein. J'aimerais tellement avoir une vie de rêve comme ça. Ça, c'est la vie de rêve. Bon, par contre, t'es perds pas, hein, c'est énorme. Ah ouais? Putain, c'est stylé, ouais. Gros. Y'a un deuxième étage et tout, hein, si tu veux monter. Vas-y, suis-moi. Wow. Là, viens. Y'a des gens vraiment qui vivent là-dedans. Y'a des gens qui ont des yachts comme ça, putain, c'est ouf. Ah bah, j'ai plus là, en fait. Et on t'as la barre et tout. Moi, je vais devoir faire pipi. Ah ouais, le salon, il est stylé. Ta vie sur Los Angeles, c'est stylé, quoi. Vas-y, reprends les deux coups, on se tire. Attends, je vais me poser à un endroit. Tu vas même faire juste du piano tranquille, t'as la boisson à volonté. Et là, t'as la piscine et tout, t'emmènes là où t'emmènes les putes. Bon, c'est bon, nous avons passé un appel, il va arriver en Zodiac. On m'a entendu? Ouais, on t'a entendu. Ok. Venez, chef, on repart. Bon, ça devrait pas tarder à arriver, monsieur. Restez en place. Nous devons absolument aller, nous avons une urgence. Bon, j'espère que vous ne allez pas mourir. C'est bon, normalement, j'ai bien compressé les plaies. Ça devrait le faire. Jusqu'à l'arrivée des premiers secours. C'est en bas de la gauche. Tu veux pas le mettre dans l'eau? Genre porter son cadavre et le foutre dans l'eau? s'il te plaît, gros. Bon, attendez, y'a mon... Attendez. On va essayer de faire quelque chose pour vous, vous m'entendez? On va vous emmener avec nous. Non. Il faut quand même donner un chef, il faut quand même donner un repas aux requins quand même. Oui, pour la nature, pour la mère nature. Ah bah il pisse le sang en plus. Regarde comment il tombe. Pense pas, t'inquiète. Vas-y, je vais le rejoindre. Attends, comment je... Attends, je reviens, je vais faire pipi. Vas-y, j'y vais aussi. Et merci à Roseur pour les 6 mois.
Enfin... En fait, peut-elle hein. T'es tout pisté. Ah ouais, je suis un gars comme ça, les mecs. Ouais, ouais. Vas-y, on y va. Tu sais combien il est bien tombé au fond de la mer, le mec. Je vais pas lui donner une bouée. Attends, je vais voir si je peux pousser à dommage. Non, tu peux... Vas-y, viens, par contre. Suis-moi. Il faut remonter en haut pour aller l'écho. Hey, dis-toi qu'il reste encore au moins 15 personnes à troller sur le serveur qu'on n'a pas touché. Hein. Vas-y, go. Est-ce que ça vous fait plaisir en fait, je vois des messages dans le chat, il y a Hubert Poutz qui met merci. On va faire tout merci pour le RP, serveur. Merci. Ouais, on n'est pas dérangé les mecs, c'est ça qui est beau. On sera pas banni. De quoi, on sera jamais banni? Non, j'ai dit, je crois que c'est le premier live où quand on va finir le live, on... Genre on ouais, j'avoue, ça sera on exceptionnel. Que ouais. un seul serveur. On sera banni et tout. Ok. J'espère que ça vous plaît les gars, mettez-moi des rires rigoureux dans le chat les mecs en masse. Et merci, je vois que ça plaît à beaucoup de nouveaux qui découvrent ce live. Vas-y, merci à je Tarzan. Je crois que c'est une fille, on lui fait un petit aloha. Merci beaucoup à Other également pour les 6 mois, vous faites plaisir. Il y a une jeune Chloé aussi, une Chloé qui vient de follow la chaîne. Chloé, laisse un petit message dans le chat ma petite. Si ça te plaît. C'est parti! Putain, j'ai kiffé quand on l'a poussé dans l'eau. Yo Christophe, ça va ou quoi? The French Drake, l'Australien? Alors, ceux qui s'abonnent à la chaîne, désolé, il y aura un délai sur les remerciements. Il y aura un petit délai, malheureusement. On peut rien faire, ça que. Voilà, il y a Twitch qui a un problème. Mais voilà, c'est gentil à ceux qui le font. Si vous appréciez le contenu, il y en a qui le font pour me remercier. Bah, c'est gentil. Merci beaucoup, ça me touche. Tu vois l'autoroute, on a arrêté le mec rire. Ouais. Y'a des mecs qui arrivent en contre-sens, c'est-à-dire ils vont nous voir. Donc dès que tu vois un véhicule rouler, genre qui va plus vite qu'un PNJ, tu leur cries de s'arrêter, ok? Attends, en face de nous là, il va arriver vers nous. Ouais, sur l'autoroute, ils arrivent en face de nous, en contre-sens. Tu leur dis de s'arrêter, ok? Il va pas longtemps à cette hauteur. Si, non mais je vais descendre, t'inquiète. Okay. Et ils sont là dans 1 km. Je te gueule, je t'ai déconseillé de toute façon. Ok. Dans le prochain virage. Oh merde, y'a un pont, attends. Les chiens. Ils sont après le pont, t'es propre, hein. Ouais, ah, je le vois la voiture. Ils viennent rouler vite là, ouais. Arrêtez-vous, monsieur, s'il vous plaît. Ok, go. Le kick de son véhicule ou pas? Non, pas maintenant. Vas-y, on le poursuit, ça me fait de l'action. À l'américaine. Allez, s'arrête. Monsieur, s'il vous plaît, c'est arrêtez le FBI, vous. C'est le FBI. Monsieur, s'il vous plaît, c'est le FBI. Arrêtez-vous. Ils vont s'arrêter ou quoi? Alors eux. Vas-y, on va reprendre l'attitude. Monsieur, s'il vous plaît, c'est le FBI. Arrêtez-vous, s'il vous plaît. Arrêtez-vous. Oh, joli, passe en dessous là. Arrêtez-vous, monsieur, arrêtez-vous. S'il vous plaît, veuillez vous arrêter. Arrêtez votre véhicule tout de suite. Non, je saute. C'est la main, frère, en plus. Arrêtez-vous. Monsieur, nous sommes deux inspecteurs du FBI. Nous menons une enquête. C'est la dernière alors. C'est un véhicule c'est suspect. La jambe. Monsieur et mademoiselle, vous rouliez à une voiture à une allure déraisonnable. Veuillez sortir du véhicule tout de suite, s'il vous plaît. Non, c'est vrai qu'en fait, on est des cons, vraiment. C'est pour monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, mademoiselle, vous êtes sa pute, je suppose. J'ai craqué, frère.
Je ne veux pas le savoir, coupez le moteur et sortez du véhicule. La voix, ça fait de ouf, mais sérieusement, faites quoi, Nico? Mais c'est bon, je vais... Messieurs, s'il vous plaît, je suis inspecteur d'inspecteur du FBI. Mais ne forcez pas à vous mettre une sanction, je vous aime bien, qu'est-ce que vous faites? Il est actuellement en train de m'inspecter, moi. Admin, car moi, je suis FBI normal. Oui, admin, laisse-moi répondre. D'accord, très bien, on va vous laisser circuler, nous faisions une balade, en fait, en tant que touriste. L'hélico, on l'a eu, parce qu'il y a un mec qui nous a dit, ouais, prenez-le, c'est pour vous, vers la Maze Bank. Ouais, je m'en fous, il n'y a pas d'hélico de base, je suppose que c'est un de vous deux qui doit aller faire spawn, mais faites pas de la merde, c'est tout. Je t'ai dit que c'est un mec qui l'a donné à la Maze Bank. Ouais, ouais. Reprenez pas l'hélico, sinon je dois vous exploser au RPG. Et pourquoi? T'es sérieux? C'est obligatoire. Mais bon, très bien, c'est le processus. C'est bon, depuis tout à l'heure, on a protocole, apparemment. Mal. Ah, bah tiens. Ouais, non, mais je sais, mais c'est pour ça que je m'en tranquille. Bah, s'il te plaît, gros, c'est pour aller plus vite. Oui, y'a personne qui nous suit à cette heure-là, c'est bon, on peut s'amuser, non? Aïe! Bon, allez, amusez-vous alors, les gars, amusez-vous. Merci, c'est gentil, on fait rien de mal, merci beaucoup. Par contre, je te le dis, hein, j'adore ta voix. Oui, c'est un très bon personnage. Ouais, ça fait grave, ça marche. Vous parlez de moi? Bon, écoute-moi, grognasse, là, depuis tout à l'heure, t'arrêtes pas de faire n'importe quoi, là, s'il te plaît, tiens ta scène. Et mets l'en veilleuse. RRR, on s'est mis la mine dans la poche, là. What? Je veux pas le savoir, j'ai très bien compris que t'étais la pute de service. Bon. What? T'as craqué, frère, ou c'est comment? Non, c'est bon, c'est grave, c'est juste qu'elle est habillée d'une manière un petit peu affriolante, c'est pour ça que j'ai des doutes concernant. What? J'ai craqué quand même, gros. Ah, vous parlez anglais? What? Hey, how are you doing? Where are you from? Aïe! Pourquoi elle me frappe? Je vais te baiser ta mère, en fait. Cette michetot, laisse-moi tranquille. Mais pendant l'hélico, il y a une michetot derrière moi, aïe! Holy fuck, man! Montez, chef, montez. Aïe! Souraz, va. Énorme pute. Mais pourquoi elle répond pas aussi, elle? Par contre, t'as vu l'admin, son stalker? Elle est avec nous. Il réussit à se sucer pour qu'une autre sorte en ouais. Hélico. Non, ça va, il est cool. Bah vas-y, c'est con, on l'a dit quoi. Non, il nous a dit oui. Je l'ai sucé, il nous a dit ouais, c'est bon, vous pouvez les macs. Attends, j'ai pas sucé pour rien, quand même. Go. Y'a un mec. Il est dans le. Attends, je me pose, tranquille. Non. Il est où? Il est en dessous. Oh non, faut pas qu'il parte. Attends, je le quitte dans son véhicule. Il est où? Là. Il est en dessous, le véhicule. Il le mec en dessous. Ok, j'y vais, je saute. Non, s'il te plaît. Non. Descends. C'est bon, j'irai. Bonjour monsieur, nous avons reçu un signalement vous concernant. Je suis inspecteur du FBI, Richard Valit. Sortez du véhicule, coupez le moteur. Bonjour, venez monsieur. Contre le mur tout de suite. Ici monsieur MacArthur. Inspecteur de l'inspecteur. Alors lui du respecte FBI, rien bonjour. Au RP quoi. Monsieur, quoi, s'il vous plaît, veuillez garder le contrôle de votre gorge, on ne vous entend pas. Monsieur, nous allons procéder à un procès verbal vous concernant, monsieur. Vous êtes bourré? On n'entend pas, vous parlez comme ça. On fait quoi de lui? Il est bizarre. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est bon. Ah, monsieur? Ah, vous réglez le problème. D'accord, très bien. Ah, bah c'est beaucoup mieux. Vous entendez, comment dire, bugzouzé de la voix. Ah, vous êtes étranger? Pourquoi? Vous voulez de quel pays, monsieur?
Ah, vous venez. Vous êtes arrivé depuis combien de temps ici, dans cette ville aux États-Unis? Je suis nouveau aussi. Ah, vous êtes nouveau, d'accord, très bien. Et pourquoi vous titubez comme ça? Vous êtes bourré, monsieur? Monsieur, venez avec moi dans le magasin, s'il vous plaît. Ah, il fait pitié, lui. Tu me dis qu'on l'a éliminé, hein, il est trop con. Non. Non, on va pas l'éliminer, lui, ça va, il est perdex. Non, justement, il mérite. Bah, mais il non, il mérite pas, il mérite pas. Là, il a fait ses études, il me casse pas les couilles. Monsieur, vous étiez en train de faire quoi, là, cet instant précis, dans cette ville? Rien. T'as envie d'être atelier et aller faire... Non, alors, je vais te parler à Sherpé. Ouais, écoute-moi, frère, tu m'entends? Oui. Ouais, au niveau de la voix, gros, là, on comprend rien ce que tu dis, on peut pas faire de... Ah bah... Excuse-moi, j'ai pas fait exprès, monsieur. Il est où? Je voulais prendre de l'argent. Non, je suis pas là, tu vois. Ouais, non, ouais, je vais pas tuer, j'ai pas fait exprès. Au niveau de la voix, gros, il faut que tu mettes un peu plus d'entrain, là, on t'entend pas, gros. Ouais, il se passe quoi? Il se passe quoi? C'est ta voix RP, ça? Ouais, mais t'es endormi ou... Non, on veut jouer RP, gros, mais il faut que tu sois plus vif, gros. Faut que t'enchaînes. Okay. T'es en fin de giz ou quoi? Tu t'es branlax ou quoi? Oh non. T'es gazé un peu. Ouais, t'es gazé, ouais, mais gros, et quand t'es en RP, il faut que tu répondes présent, gros. Faut que t'envoies des répliques, des trucs comme ça. Okay. Non, t'as rien fait, mais gros, là, je normalement. Bon, ça chef. Va, t'es nouveau sur le serveur, tu vois. Parce que attendez, moi, chef, admin. Bougez pas. Je vais vous donner du pain et de l'eau parce que j'ai peur que vous mourrez de faim. Ouais, donne-moi du pain. Par contre, j'arrive pas à sortir de mon téléphone. Ouais, attends, on va régler ce problème après. Vas-y, mangez vite avant de mourir, chef. Comment tu fais? C'est bon, vous êtes bien? Vous avez mangé et bu, ouais, chef? C'est bon, j'ai bien mangé. Bon, on va te laisser, gros. Prochaine fois, plus de... Hein, plus de... Porte un peu plus ta voix, gros, ok? Parce que sinon, on t'entend pas bien, ok? Vas-y, gueule un coup, fais... Ah! Je peux vraiment pas, là. Ah, t'es... Ouais, y'a tes parents qui dorment, c'est ça? Ouais, monsieur, je peux mettre mon micro, s'il est pas assez fort. Hein. Ouais, ton micro, ça fait trop de basse, en fait. On entend une voix comme ça... Je comprends rien ce qu'il dit. Règle ton micro. Mais c'est pas mon micro de base. Bah ouais, mais mets pas le micro de la webcam. Ouais. En plus, t'as une petite bouille toute mignonne. Attends, je vais essayer de faire ta voix normalement. Qu'est-ce qu'elle serait? Attends, reste comme ça, bouge pas. Ouais. Je m'appelle Rachida. Je mets un word sorti, je m'appelle Rachida. Je suis arrivé dans la ville. J'adore vraiment. Je cherche le papier pour travailler. Tu vois, tu dois faire plus une voix aiguë, tu vois, un peu de semi-tarlouze, tu vois. Oui. Tu vois, le plus aigu, vas-y, essaye de faire. Moi, je m'appelle Rachida, c'est un what's or this. J'ai une petite barrette, j'aime bien les mains. Oh là 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 là, j'aime connaître mes paix. J'aime connaître mes paix. Répète ce que je suis en train de te dire, j'aime connaître mes paix. J'aime qu'on note mes paix. Ouais, mais plus avec une voix aiguë parce qu'on t'entend pas vu que c'est trop bas. J'aime qu'on note mes paix. Oh, c'est bien. Oh, voilà, c'est beaucoup mieux ta voix. Ta voix RP, elle est nickel. Continue comme cette voix. Elle est très bien. Vas-y, parle encore. Allez, voilà. Ouais. Dis 8 sur 10. 8 sur 10, dis-le. 8 sur 10. Dis à chaque fois, je note. Dis oh là 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 là. Oh là 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 là. Tu vois, c'est mieux, non? Dis à chaque fois, je note mes pains. Quoi? Dis à chaque fois, je note mes pains. Ouais, c'est beaucoup mieux. Voilà, tu gardes cette voix-là. Une voix un petit peu comme ça, un peu de rebeu fragile, tu vois. Ça te va très bien. On dirait une petite Guédira un petit peu salope. J'aime bien. J'aime connaître mes paix. Mes ouais, paix. Du coup, comment on fait pour sortir le téléphone derrière? Le téléphone, c'est le muscle Q, essaye. Vas-y, Q.
Bon, laisse tomber, vas-y, on se casse. Vas-y. Ça, ils sont cool les gars sur le serveur. Bah, c'est juste qu'on a zéro stalker. Attends, je peux pas. Attends. Non, je peux pas rentrer dans les. Attends, on sort, on sort. Non, c'est juste la voiture qui est trop proche, attends. Intéressant. J'aime beaucoup cette ville. Je me sens puissant. Il n'y a personne pour me contrôler. J'adore. Oui. J'ai cru te voir. Ah, j'ai vu la jeune Aurélienne. Qu'est-ce qu'elle est délicieuse et si charmante. Sur le chat, je te fais un joli coucou, petite Aurélienne. Non, fallait que tu restes en passager.